Bonjour, bonjour, bienvenue dans l'émission Canard PC avec tous vos amis. Je suis Isual, votre présentateur, et je suis avec Louis-Ferdinand Sebum, le journaliste de Canard PC. Le seul. Les autres, non, les autres, ils sont pas qualifiés. Voilà. Et Hélène Ripley, la suis... rédactrice en chef. C'est vrai. Mais pas journaliste. C'est vrai. Et bah non, il y a toi aussi. Et ça, vous êtes tous les... Oui. On est tous les trois rédacteurs en chef à cette table. C'est vrai. C'est quand même. C'est là qu'on voit que c'est une armée mexicaine, cette rédaction. Et non, mais toi c'est deux, le... parce que du pavé numérique. Pour les gens qui... Voilà. Du pavé numérique, la très bonne newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner. Dit par Arte. Arte a dit c'est une excellente newsletter. C'est vrai qu'ils ont dit ça. Ils ont dit l'excellente newsletter. Alors, quand Arte dit que c'est excellent... C'est incroyable. Ils ne sont pas rancuniers avec ce que j'ai dit dans leur documentaire. Les docu Arte sont très bien. Mais on va commencer par... Surtout ceux sur la médecine, c'est les meilleurs. Ce soir, une émission sur le jeu vidéo et l'élocution. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on était en train de se dire. Oui. Que, il était temps quand même de prendre des cours d'élocution pour bien parler. On a fait beaucoup de piano. Voilà, on a fait panier piano et Hélène dès le premier. Donc panier ça piano. Va être... Et très... une mission politesse aussi, parce que j'ai tapé Madame Hélène Ripley. On avait dit qu'on faisait Monsieur, on faisait Monsieur Madame. Madame. Voilà. On s'est dit pourquoi seul Monsieur Chat aurait le droit d'être appelé Monsieur Chat. Pourquoi pas Monsieur Zuzu, pourquoi pas Monsieur Sebum. Voilà. Mais je pense qu'on ne va pas s'y tenir très longtemps. Non. Mais d'abord, on va parler de Monsieur l'actualité du jeu vidéo. Après, on fera un petit quiz. Quiz. Ouh, Monsieur après, quiz. Moi, je viens que pour le quiz. Hein. Après, on parlera du grand nouveau jeu Dune qui a été révélé à l'occasion de la sortie du deuxième opus du film de Denis Villeneuve. Dont tu disais que tu l'avais adoré. Dont je... Mais je... Alors, en fait, je donne même pas mon avis puisque je considère que même ça, c'est un spoil, tu vois. D'accord. Oui, c'est vrai. Alors, si tu sors d'un film et que tu dis, je spoil pas, mais j'ai détesté surtout la fin, bon, voilà... Ah, ce que tu dis, j'ai détesté de façon uniforme sur toute la durée, il n'y a pas trop de spoil. Ouais, mais je sais pas. Si t'as détesté, c'est qu'il y a des. Enfin, je sais pas, après, tu vas voir le film et t'es déjà pollué, tu vois, quelque part. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pas notre genre de vouloir influencer les gens en jugeant les œuvres. Jamais. Non. Mais pas gratuitement, en tout cas. C'est vrai. Et après avoir parlé de Dune, on fera un passage sur les meilleures sorties du moment. Mais d'abord. Donc, l'actu du jeu vidéo. Je vais y arriver. Wow. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont bien, ces jingles sont ouf. Incroyable. Et je voulais dire aussi merci pour les abos, on a vu qu'il y avait plein de gens qui avaient pris des abos, c'est très gentil, merci beaucoup. La première actu du jeu vidéo, elle se déroule à Canard PC, figurez-vous. C'est pas vrai? Eh oui. Bah, elle était pas dans le conducteur, si? Eh ben non. C'est l'info surprise. Non, ah bah, monsieur Zuzu. Et après, il dit vous n'avez pas préparé. Bah oui, bah, pas préparé si tu ne mets pas les trucs dans le conducteur. Non, non, je fais que des surprises et des plot twists, moi, dans le conducteur. C'est qu'à Canard PC, figurez-vous, on va faire maintenant une émission hardware mensuelle de 17h30 à 18h30 les mercredis avant l'émission Canard PC. Donc, une émission Canard PC sur deux avant, il y aura une émission hardware. Ce sera co-présenté par le duo de la bromance, monsieur Furolite et monsieur Agbou. Ce sera en plateau, ce sera ici, ça s'appellera Contrôle Technique. CTRL Technique. Sinon, il n'y a pas de jeu de mots. Oui, mais allez, ça va très bien avec le pavé numérique, c'est vrai qu'on tient un truc. On a l'habitude de faire un truc à l'écrit, et du coup, on s'est pas rendu compte qu'on a fait un jeu de mots qui ne marche pas à l'oral pour une émission, c'est quand même dommage. Mais... C'est vrai, c'est seulement maintenant qu'on se rend compte. CTRL Technique, du coup. Et la première, ce sera le 20 mars, dans deux semaines, donc, avec de l'actu et des sujets de fond hardware. Quoi? Des sujets de fond, on m'a dit, des sujets de fond hardware autour du jeu vidéo, oui. Ah bon, tiens. Ils ont voulu tout mettre dans une seule phrase. Hein. Oui, voilà. Donc, ce sera le 20 mars. Soyez nombreux, s'il vous plaît. Mais... Donc, une fois par mois. Parce qu'une émission qui a passé sur deux, ça veut dire... Oui, c'est ce que... J'ai dit mensuel. Mensuel, très bien. C'est ça. Une fois par mois. D'accord. I stand corrected. Je suis debout et corrigé. Les premiers hands-on de Dragon's Dogma 2 sont sortis. Ah oui. Vous savez que Dragon's Dogma 2, donc c'est le gros RPG de ce début d'année. Ça sort le 28 mars, donc à la fin du mois. Et ben là, en fait, on n'en avait pas vu grand-chose. Et là, enfin, il y a des journalistes, notamment de la presse anglophone, qui ont pu y jouer. Et ils sont absolument ravi, ce qui est un grand soulagement puisque on avait plutôt intérêt à ce que ce soit bien. Enfin, on avait envie en tout cas. Enfin, moi en tout cas, voilà. Oui, tout à fait. Ils sont, ils sont. Bah, moi, la vraie actu pour moi là-dedans, c'est ce que m'a appris Julie tout à l'heure, c'est qu'en fait, t'es bien fan de Dragon's Dogma. Moi, t'aimes bien. Enfin, j'ai pas vraiment joué au. Ah d'accord, parce qu'elle m'avait dit que t'aimais bien. J'ai dit que c'était marrant. Mais non, enfin, non, j'ai dit que j'attendais le 2. Et oui, c'est marrant parce que ça a pas l'air d'être ton genre de jeu. Et c'est ça qui m'a le plus marqué dans cette actu.
En fait, le premier qui est sorti en 2012, il a eu un très très gros succès commercial et critique. Et pas mon genre de jeu, parce que c'est Capcom, donc ça reste un peu, comment dire, boum boum, quoi. C'était moins JRPG que CRPG. Moins CRPG que JRPG. Oui, pardon. Oui, bah voilà. Et du coup, effectivement, ça... Mais c'est ça qui est bien avec celui-là, c'est que ça a quand même l'air de ressembler pas mal à un genre de Skyrim moderne. Donc moi, je suis partant. Donc Skyrim est un jeu de rôle pour toi maintenant? Bah bien sûr. T'as changé. J'ai pas dit que c'était un bon. Ah oui. Le directeur du jeu, il avait fait un peu polémique en disant que le fast travel, s'il y a du fast travel dans votre jeu, c'est que s'y déplacer est chiant. Oh. C'est pas complètement faux. Non, c'est pas faux du tout en fait. Et justement, on l'attendait un peu au tournant du coup dans Dragon's Dogma 2 en disant bon bah ça a intérêt à être bien. Et effectivement, apparemment, c'est bien, notamment du point de vue du déplacement, du point de vue du monde. Il y a un journaliste de PC Gamer qui dit autant dans Baldur's Gate 3 je vois où est passé l'argent, c'est-à-dire dans les dialogues, ouais. Mais dans celui-là je vois que l'argent il est passé vraiment dans le monde ouvert, dans le design de ce monde qui est très grand, etc. Bah c'est cool, ça donne envie. En vrai ça donne envie, ouais. Ouais, bah apparemment il y aura un vrai sens de l'aventure, et puis donc je rappelle cette feature un peu classique des Dragon's Dogma qui est qu'on se bat notamment contre des très gros monstres et qu'on peut les escalader, interagir comme ça avec leur taille. Le griffon géant, il peut te saisir, enfin tu peux monter sur ses ailes et après lui il décolle et du coup il t'emmène à l'autre bout du monde ouvert, enfin ça peut être... Ouais, c'est une sorte de fast travel, quoi. Oui, c'est ça, faut juste trouver le griffon. Voilà. Et voilà. Donc on a été très content, mais tout comme Hélène qui a été très contente de découvrir que Texas Chainsaw Massacre allait être repris par un autre studio, c'est ça ? C'est même pas tant le fait qu'il soit repris par un autre studio qui m'enthousiasme, c'est juste le fait qu'il puisse exister. En fait, j'adore l'horreur asymétrique en multi, vous le savez, ce que je vous bassine tous les jours avec. Alors explique-nous déjà ce que c'est Texas Chainsaw Massacre. Texas Chainsaw Massacre, donc c'est un jeu qui est qui est repris directement de l'univers du film de Tobe Hooper, où on peut incarner soit des membres de la famille de Leatherface, soit des survivants. Et c'est assez intéressant. Monsieur Leatherface. Monsieur Leatherface, comme on l'appelle, c'est vrai qu'il vaudrait mieux le respecter. Timothée Leatherface de son nom complet. J'imagine. Timothée, bah oui, évidemment, Timothy. C'est intéressant parce que la plupart des jeux d'horreur asymétriques, en fait, on se retrouve une équipe de survivants face à un seul tueur unique. Mmh. Et là, ça change un petit peu la donne parce qu'on peut incarner plusieurs membres de la famille qui viennent assister Leatherface, qui est un peu la star du show quand même. Mmh. Et je l'ai pas testé pour Canard PC, mais j'y ai un petit peu joué, et honnêtement, c'est pas le jeu du siècle, mais c'est juste qu'on parle d'un genre qui est assez maudit. Il y a juste Dead by Daylight qui truste complètement le genre. C'est vrai que ça ressemble. Dead by Daylight, c'est un jeu que j'ai honnêtement beaucoup aimé, mais je trouve qu'ils prennent une tangente un peu particulière. En fait, ils arrêtent pas d'acheter des licences, d'ajouter des nouveaux trucs, et en fait, l'identité se dilue un petit peu. Ouais. Là, par exemple, ils font un partenariat avec Iron Maiden, pourquoi pas, mais là, ça devient vraiment une espèce de maxi best-of un peu chelou, où tu peux à la fois croiser Nicolas Cage, Chucky, un mec d'Iron Maiden, et... Et Alien, enfin, le xénomorphe d'Alien. Et le xénomorphe d'Alien, et Ellen Ripley. Et du coup, ça a un peu dilué mon enthousiasme aussi, et j'avais adoré Friday the 13th, j'aimerais qu'il existe d'autres jeux, et c'est un genre qui est vraiment, vraiment pas très... qui peut être très populaire, comme on le voit avec Dead by Daylight, mais où il y a plusieurs studios qui s'y sont essayés. On a vu ça avec Predator ou avec Evil Dead, mais les deux jeux sont au point mort. Friday the 13th, les serveurs ont fermé en 2023. Mais je pense qu'il y a un truc intéressant là-dedans, c'est que pour avoir pas mal joué à Dead by Daylight, notamment avec toi, ouais. Fait que c'est un jeu qui est sympa parce que tu joues avec d'autres gens et que ça marche très bien. Le côté on a peur, on a un tueur aux trousses, etc. Mais en termes de gameplay, enfin, je trouve que c'est excessivement un jeu répétitif. Incroyablement répétitif. On et qu'après environ 47 000 DLC, ils n'aient pas réussi à renouveler la mécanique de base où, en gros, on doit allumer des générateurs pour ouvrir une porte et foutre le camp. Ouais. Et là, je vois le trailer. J'ai pas joué à Texas Chainsaw, là, mais je vois ce que je vois en termes de gens qui s'échappent, de collaboration à la fois entre les survivants et la famille. Putain, je me dis, mais rien que dans ce trailer, il y a plus de variété que dans le gameplay de Dead by Daylight. C'est vrai. Il y a plus de. Mais du coup, ça fait aussi que c'est des jeux qui sont difficiles d'entrer. Quand t'as beaucoup d'objectifs différents Dead by Daylight, c'est facile de rentrer. C'est pour ça qu'ils ont un truc un peu captif, non seulement au-delà du fait que les gens ont investi énormément de pognon et de temps dedans, c'est que c'est un jeu qui est immédiatement compréhensible. Quoi. Ouais. Mais alors, attends, du coup, Texas Chainsaw Massacre, c'est sorti déjà depuis un petit moment. C'est sorti l'été dernier. Et le jeu, ça marche plutôt bien là. Il compte 5,6 millions de joueurs. Okay. Mais ils ont été largement aidés parce que le jeu était présent dans le Game Pass. Okay. Mais en tout cas,
le jeu a l'air de plutôt bien marcher. Et l'actu là, c'est quoi du coup ? Et l'actu, c'est que le développement va être repris par Black Tower Studio, qui avait eux-mêmes repris le développement de Friday the 13th en 2018. Ah ok. Donc ils vont faire les deux en parallèle ? Bah Friday the 13th a fermé malheureusement en 2023. Ah bon, c'est vrai ? Ouais. J'étais pas saoulée avec ça. C'était une des grandes tragédies de ma vie parce que il y avait un désaccord juridique entre le mec qui a inventé la figure de qui a inventé Vendredi 13, la licence, où le tueur c'est donc pas Jason mais Pamela la mère. Bon, je peux spoiler un film des années 70. Ben, et en fait, tu viens de le faire. Je viens de le faire, je suis désolée. Et celui qui a inventé le Jason avec le masque de hockey, qui est quand même le Jason qu'on retient le plus. Okay. Donc Sean Cunningham et Victor Miller n'étaient pas d'accord sur à qui possède quoi, et ça a stoppé en fait toutes les productions autour de la licence, y compris le jeu qui était en état de mort cérébrale pendant un temps parce qu'il n'y avait pas de, comment dire, de raison de motiver les joueurs à revenir. Bon, du coup, en tout cas, on peut espérer plus de contenu là pour Texas Chainsaw Massacre avec ce nouveau studio. Ouais, ou a priori. Ouais, voilà. Et en tout cas, peut-être un petit peu plus de variété dans l'horreur asymétrique. Là, il y a aussi Killer Clowns from Outer Space qui va sortir en juin. Ça, pour le coup, je suis pas sûr que ce soit le jeu du siècle, mais je suis contente qu'il y ait des initiatives, quoi. Ouais, mais c'est, enfin, c'est, oui, déjà le fait qu'il y ait encore Massacre à la tronçonneuse, il y a eu un remake, il y a eu des trucs. Oui. Killer Clown, je ne comprends pas. C'est sorti du chapeau. Ouais, d'où ils ont ressorti cette licence qui ne parlera à personne de moins de 40 ans. Je comprends pas. Oui, bah moi non plus, mais je vais forcément tenter, quoi. J'ai envie d'essayer d'être un clown tueur. Mais je pense que le business, on en parlait tout à l'heure, je pense que leur business model, c'est ça. C'est les gens qui vont dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et ils vont l'acheter par curiosité. Oui, c'est ça. Parce que c'est... très bien, on va pas parler... 1000 heures d'horreur, même si je sais qu'avec ça serait possible. Et oui, mais comme moi je ne connais pas ce genre du tout, vous me laissez sur le bas-côté. Et ça, c'est pas non, très désolé, sympa. Désolé. Mais juste, il y aura des nouveaux modes et du nouveau contenu donc dans Texas Chainsaw Massacre, pour conclure. Ah bah, j'en suis ravi. T'as jamais vu Massacre à la tronçonneuse, le premier ? Non. Oh, faut que tu le vois, c'est un chef. J'ai lu le résumé sur Wikipédia, c'est déjà c'est assez bien. Voilà. Dans un genre très, très différent. John Cooney, oui. JMTB 02, comme on l'a connu pendant des dizaines d'années, qui est un des grands développeurs de jeux Flash, lance un projet Kickstarter qu'il appelle The Year of Good Things, l'année des belles choses, une année où il développerait comme ça 12 jeux Flash. Un par mois. Voilà, donc vous avez vu l'éléphant là dans la vidéo, c'est parce que il est connu notamment pour sa série des Elephants, les jeux Flash, This Is The Unlocked, Achievement Unlocked. On a déjà dit beaucoup de bien, t'étais revenu largement dessus dans un dossier sur les jeux Flash. C'est vrai, je l'avais interviewé aussi. Et franchement, moi je suis ultra contente déjà de savoir qu'il continue de développer des petits jeux, et j'aime vraiment bien l'idée d'une année de bonnes choses. Enfin, déjà ça fait du bien. Oui. Mais aussi, je trouve ça cool en fait de retrouver un peu l'esprit des jeux Flash, justement, où tu te prends pas non plus la tête pendant des plombes. T'as un concept rigolo et tu lances le jeu. C'est exactement ce que j'avais noté, moi, de mon côté. J'avais rien d'autre à part trois cœurs notés autour du nom de John Cooney. Ouais. Oui, qui est très cool comme il a l'air extrêmement gentil. Hein. Il est très gentil, effectivement. Et effectivement, j'aime bien l'idée de se dire cette année, ce sera une année où il y aura des bonnes choses. J'aurai un petit jeu Flash marrant chaque mois. Malheureusement, c'est très mal parti pour le Kickstarter. Alors, c'est ce que j'ai vu, mais il reste encore 23 jours. Ouais, mais il est à... Et vous qui nous regardez. Il est à 9000 sur 70 000. 70 000 ça paraît... Après, il n'a pas lancé il y a si longtemps. On sait qu'il y a une pente quand une même un peu abrupte au début. Déjà. Normalement, ça fait une semaine. Normalement, les premiers jours, c'est le gros morceau. Quoi. Bon, j'espère que la promotion incroyable que lui fera Canard PC Après, je pense que malheureusement, c'est indicateur que les gens s'en tapent des jeux Flash maintenant. Les gens n'aiment pas le bonheur, n'aiment pas les bonnes choses. Ils veulent passer une année de choses terribles. C'est ça, d'autant que lui, tout son argument, c'est de dire, mais en fait, vous pensiez que les jeux Flash, vous pensiez peut-être que les jeux Flash étaient morts, mais en fait, les jeux Flash, ils peuvent encore vivre notamment sur Steam, parce que tu fais un jeu Flash et en fait le sortir sur Steam, c'est ce qu'il a fait l'an dernier avec la collection des jeux Elephants. Je soutiens son projet, mais malheureusement, je pense que c'est pas marché. Quand vous parlez de jeux Flash, c'est-à-dire que les jeux qui sortent là, c'est des jeux qui sont des jeux Flash bundlés pour tourner offline, parce que Flash n'est plus supporté par les navigateurs. Donc du coup, il les développe quand même sous Flash. Il fait développer à la façon de Flash. Non, je crois que c'est développé avec un moteur qui a repris un peu le flambeau de Flash, et après ça doit être adapté, je sais pas trop comment,
pour tourner sur Steam, etc. Ouais, parce que je flash, enfin lui, des jeux qui sont à la flash, on peut en faire avec Game Maker et plein de trucs. Oui, mais en fait, lui, il défend. Qu'est-ce qui définit pour lui un jeu flash ? Et bien justement, pour lui, il défend aussi que c'était un peu une philosophie de game design, de communauté aussi, de se dire, bah, c'est des jeux qu'on fait rapidement, mais qui sont très créatifs, etc. Tu vois. Et, c'est un peu un flambeau qui a été repris aussi par les Game Jam, par Itch.io, par. Ouais, c'est vrai. Oui, bah Itch.io, c'est clairement l'héritier de ça. Bon, les Game Jam, t'as quand même ce côté un petit peu, vas-y, on crunch. Ouais, mais souvent, elles sont balancées sur. Enfin, les contenus Game Jam sont balancés sur Itch.io aussi à la fin. Ça fait quand même un gros afflux de petits jeux vite fait, quoi. Non, mais moi, ce qui me réjouit, c'est pas tant le modèle qui est déjà cool, mais c'est juste qu'il a tellement de bonnes idées que je pense que ça va être un projet intéressant. Oui, ça va être très rigolo. S'il peut voir le jour, ouais. On passe à la suite avec l'annonce d'un nouveau City Builder. Alors malheureusement, Agbou n'est pas parmi nous, mais je sais qu'il nous regarde de là-haut. Du premier étage, parce qu'on est dans la cave. Mario Police, pas du tout. Mais c'est mon panier piano, moi. Après, ils n'ont pas pris le nom le plus facile à prononcer. Oui, c'est que je me suis fait la réflexion. Memoria Police, en un mot. C'est un City Builder qui se déroule sur 2500 ans. Alors, on part d'une cité dans l'Antiquité, et puis après, ils disent... Alors, attendez, je vais vous lire ce qui... Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ils disent ne traînez pas, le Moyen-Âge ne vous attendra pas et votre ville devrait être capable de faire face aux changements importants de cette nouvelle époque. Le déploiement du christianisme et la structure politique féodale changent profondément la façon de gérer les villes. Le déploiement de la mise à jour, vendredi soir. Déployé. Derrière de larges remparts de pierre, les villes se protègent dans un environnement plus violent et plus incertain. Comment allez-vous gérer le centre ancien de votre ville que va devenir le temple d'Apollon en plein christianisme, etc. etc. Donc voilà, sur 2500 ans, on aura plein de choix comme ça à faire. Et j'aime bien l'idée d'avoir une même ville qu'on va vraiment faire évoluer. Génial comme idée. Ouais. Le fait de dire tu crées des trucs, déjà tu dois continuer, comme dit, au Moyen-Âge, gérer qu'est-ce que fait le temple d'Apollon. Mais après, ton centre historique, il se met à avoir une valeur commerciale et touristique quand tu arrives au XXe siècle. Et donc, qu'est-ce que tu en as conservé ou pas. Mais en même temps, c'est un truc qui est chiant à chauffer, qui pose des problèmes en termes de circulation. Je trouve que c'est génial comme idée. Tu vois, vraiment, l'histoire d'une ville sur des millénaires, c'est vraiment très bien. Ouais, non, c'est pas trop moche. Je vous ai mis quelques captures d'écran là. C'est vrai que c'est mignon. Ça va. Ouais. Et alors, ça donne très envie. Hein. Alors, je crois que c'est la première fois que je dis ça dans City Builder. Mais oui, j'allais dire, c'est très étonnant. City Builder où je dis, ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est ok, un soir de pluie, tu vois. Mais là, je dis, j'aimerais vraiment y jouer. C'est vrai, Agbou, c'est content de t'entendre dire ça. Bah oui, attends. Je fais ça un peu pour lui. Un test à quatre mains. Mais par contre, désolé de doucher tout de suite ton enthousiasme. Enfin, je ne sais pas. Donc, c'est par des Français. Dès que je suis enthousiaste, on me douche, de toute façon. Dès que je suis enthousiaste, on me douche. Ouais, bah désolé. C'est par des anciens de The Architect Paris, dont le studio parisien avait déposé le bilan en 2022. Ah merde, ouais. En fait, ils avaient sorti The Architect Paris, qui était un genre de city builder de Paris moderne, mais en fait, ça n'avait jamais vraiment dépassé le stade de jouer, malheureusement. C'était vraiment plus un simulateur d'architecture qu'autre chose. Et du coup, ils avaient fait faillite, en fait. Et donc là, c'est un peu comme la ville de Paris elle-même, hein, comme quoi. C'est vrai. Attendons les JO avant de faire faillite, juste après. Donc là, ils ont refait un studio, en fait, pour faire ce jeu. Bon, bah, on leur souhaite évidemment le meilleur, mais c'est vrai que leur précédent jeu, bon, ça s'est pas bien terminé. En tout cas, l'idée est géniale. Je sais pas ce que vaudra le jeu, mais l'idée est extraordinaire. L'idée est très cool, ouais, c'est vrai. Toi, Hélène, tu y joueras, évidemment. Moi, je me sens laissée sur le bas-côté, comme tu t'es senti sur le bas-côté. C'est vrai, ça t'intéresse pas. Son tour. Imagine City Builder que j'ai fait, c'était SimCity. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour... C'était SimCity 2000 hein, aussi. Ah, mais c'est ça, vrai. Ça me donne envie. Ah ok. Bah moi, tu vois, si on peut pas provoquer d'incendie ou des enlèvements extraterrestres. Et tu pourras peut-être avoir un DLC qui mettra Chucky dans les rues. Ah mais j'attends que ça en fait. Quand j'entends Agbou parler de City Builder, quelque part il y a une petite flamme qui s'allume dans ses yeux et je veux un peu de cette flamme, mais j'arrive pas. Mais toi, il faudrait des trucs genre Dungeon Keeper. Tu sais, où tu jouerais la méchante et. Ah bah oui, parce que c'est bien moi. Non, mais tu sais, pour avec un truc de. un peu film d'horreur. Ah ça, oui, pourquoi pas, ouais. Ouais, il y avait un truc qui se rapprochait un petit peu de ça. Je vais reparler d'horreur, mais c'est une petite parenthèse. Mais les modes multi de Resident, ça a toujours été un peu de la merde. Et il y avait quand même une idée intéressante dans Résistance, qui est sorti au moment du remake du 3, où tu pouvais jouer un peu le mastermind. Tu préparais des pièges, des trucs comme ça. Et ça, je me dis, à la grande échelle d'une ville, ça pourrait être rigolo. Comment il s'appelait ce jeu là? C'était Evil Genius? Non, c'était. Le méchant de Jason. Ça, après, ça me plaît. C'est bien pour toi. Resident Evil, ça tombe sous le sens. C'est déjà dans le nom du jeu, en fait. Oui, Resident Evil. Et oui, il y a total. C'est ouf.
Très bien. Sebum, bah écoute, t'étais saucé par ça, mais on va revenir quand même sur des jeux plus de ton cœur. Oui, ton coeur. Parce que c'est pas tout de construire des villes, il faut aussi les détruire. Exactement. Et pour ça, il faut se lever tôt le matin et jouer à Nuclear Option. Oui, qui est pas mal, en fait. C'est, tu dis en fait, parce que tu misais peu d'espoir dessus. Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai, comme beaucoup de gens, beaucoup d'espoir qu'on retrouve un jour des simulateurs de vol un peu légers, comme ça se faisait dans les années 90, début 2000. Mm. Et il est vraiment pas mal, celui-là. C'est quand même très, 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 très arcade, un peu trop arcade par rapport à l'équilibre idéal que j'aimerais retrouver. Mais il y a quand même un côté, c'est extrêmement sympathique à jouer. Parce que ça permet de jouer vraiment différents types d'avions. Ils ont ce vrai, faut que vous véhicule arrière. C'est extrêmement sympathique et à l'écran, il y a des gens qui crèvent. C'est ce que j'ai entendu. Des avions mais non, c'est vraiment assez, c'est assez sympa parce qu'en plus, il y a une... Mais quoi? C'est sympa quand l'hélico explose. Et quoi, il y a des champignons atomiques. Ah, c'est super. Non, voilà. C'est vrai. Non, mais il y a quelqu'un dans le chat qui parle de Nova Logique et c'est ça. C'est vraiment un jeu qui s'inspire des simulateurs de vol type F-35 de Nova Logique. C'est-à-dire vraiment des jeux début des années 2000, enfin fin 90, qui étaient très orientés arcade, où il y avait des vraies missions, c'est-à-dire c'est pas vraiment du bourrinage, mais c'était quand même, donc il y avait des vraies missions, des objectifs, il fallait avoir une approche un peu tactique et tout, mais tout était ramassé sur genre 20 km². Ah ouais. Donc tu décollais, t'étais déjà directement accroché par les radars ennemis et tout, ce qui fait que c'est très arcade, tu perds pas de temps, t'as pas la phase qui est des jeux réalistes, genre Arma, DCS, où tu passes une heure à rien foutre et puis tu te fais dégommer sans avoir vu d'où ça venait. Donc c'est ça, c'est assez agréable pour les gens qui veulent de l'action rapide. Que tous les simulateurs de vol là sont inspirés d'une autre famille en fait de simulateurs de vol. Ouais, c'est en fait, et en gros, c'est compliqué parce que dans les années 90, il n'y avait pas la possibilité de simuler vraiment des aussi précisément qu'on le fait aujourd'hui des véhicules, faute de puissance de calcul. Mais donc il y avait quand même grosso modo deux écoles. T'avais des jeux type Nova Logique par exemple, ou F29 Retaliator aussi de Pralcatel, qui étaient des jeux qui étaient vraiment arcade. Donc en gros, la carte était toute petite. Et ça pouvait être plus ou moins réaliste dans l'approche des armements et tout, mais ça restait quand même très très condensé. Okay. Et des jeux, ceux qui étaient ceux de Microprose, qui eux étaient vraiment plus posés. C'est-à-dire qu'on décollait, on avait deux bombes, il fallait les poser au bon endroit, et tu passais quand même l'essentiel de ton temps à voler, à rien foutre. Donc il y a quand même une approche, on va dire, de faire quelque chose qui rapprochait plus d'une véritable opération. Okay. Okay. Et pour le moment, il n'y a pas encore trop d'équivalent de cette catégorie-là de jeux. Ceux qui, comme les jeux comme soit ça, ou Vettel VR ou d'autres, ou Tiny Battle Arena, c'est encore plus de l'approche Nova Logique, on va dire. Mais je pense qu'il y a aussi plus de marché pour des jeux comme ça, simplement. Et donc Nuclear Option, j'ai pas eu, il est dans l'actu là, ou c'est juste qu'on a mis les mains dessus? Il est sorti en Early Access il y a quelques mois. Là, on est j'ai joué il y a quelques semaines. Là, et, l'article va bientôt sortir sur le site, c'est notre actu. Okay. Et il est intéressant, parce qu'encore une fois, il y a peu de jeux de ce type-là, mais ça commence à réapparaître un peu, et c'est marrant de voir les choix que font les développeurs. Alors on te demande si c'est plutôt comme Ace Combat, c'est ton... Non, c'est pas au point d'Ace Combat. Ace Combat, c'est vraiment de la pure arcade, c'est-à-dire qu'on démarre avec 70 missiles sous chaque aile. Oui, voilà. Oui. Là, c'est quand même, faut vraiment avoir une approche logique. Par exemple, que si jamais vous êtes rentré dans une zone où il y a des radars ennemis, va falloir passer entre les collines pour pas être détecté, etc. Ouais. Ace Combat, t'arrives, tu bombardes tout, quoi. Ah, comme ouais, le tout petit, c'est vraiment un shoot 'em up. En low poly que t'avais fait l'an dernier, là. Ouais, Tiny Battle Arena. Exactement. Qui était un peu dans cette approche-là aussi. Très bien, mais écoute, tu nous as convaincus. Hein. Je pense qu'Hélène rentre chez elle et lance le téléchargement. Tu rigoles, mais en fait... Il y a un DLC Chucky. Mais non, mais tu sais, quand tu m'avais fait essayer DCS, j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir, quoi. Bah, c'est juste que... Bien, fait DCS, j'avais fait jouer Manu, je me rappelle. J'avais fait un atterrissage incroyable, beaucoup mieux que Manu, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Mais parce que c'est vrai qu'il y a un côté ultra agréable à faire atterrir son avion sans encombre. Le truc que je trouve satisfaisant de DCS, et c'est pas tant le... C'est un truc que je trouve aussi, par exemple, dans Silent Thunder, c'est marrant, c'est toujours des jeux militaires. Je l'ai pas dans Arma, curieusement, mais j'ai moins joué à Arma que toi, donc peut-être que c'est pour ça. Mais c'est un truc que je trouve un plaisir que tu trouves pas dans d'autres types de jeux, parce que la plupart des jeux, ils cherchent à te gratifier très vite. Oui. Et autant, moi, je joue à des fast FPS, donc c'est pas du tout une critique, hein, mais c'est le côté, tu vas très vite, ça pète tout. Là, tu passes ton attaque, tu vas passer un quart d'heure à la planifier. Ouais. Tout peut merder, alors quand vraiment t'arrives à toucher le truc, t'es là, yes. Bah, c'est ça. Et ça, c'est le truc, voilà, qui est vraiment une sorte de gratification repoussée. Je trouve ça très agréable dans ces jeux-là. Bah, c'est une sensation que j'ai vachement eue là récemment dans Pacific Drive. Ouais. Et j'adore cette sensation en fait. Mais je sais que dès que je commence à mettre le doigt dans l'engrenage d'un truc comme DCS, je vais finir comme toi à 3h du mat à lire des manuels en géorgien qui n'ont pas été encore traduits. Ils sont sur les forums de Warthunder. J'ai pas le temps actuellement, mais j'ai vraiment envie. Enfin, on trouve le trouve le temps. Oui, je sais qu'on le trouve, mais en tout cas. On trouve le temps d'apprendre le russe pour lire les manuels dans la... Ta cité, ça me tente, et ça en plus de mon amour de la mission. C'est vrai qu'on peut l'avoir dans des jeux non militaires comme Euro Truck ou American Truck. Ah bah c'est pas moi qui va vendre les qualités d'Euro Truck. Bah là, justement, moi je me demandais parce que je trouve qu'Euro Truck, il y a pas trop, il y a pas ce côté, il y a une sorte de longue trajectoire où on va construire un truc. Je pense d'ailleurs pour moi qui par exemple, j'ai jamais regardé un match de foot en entier de ma vie.
pour avoir parlé à des gens qui aiment beaucoup le foot, ils trouvent que c'est ça qui est bien. Moi, je trouve ça chiant de regarder un match de foot, mais oui, ils aiment bien le côté où justement c'est très très long d'avoir un but. Oui, tu construis. Il y a une construction, ouais, et quand ça arrive, c'est très content. Et je peux comprendre, même si moi ça me parle pas. Et ben là, c'est un peu ça. Euro Truck, je trouve ça super bien aussi, mais c'est plus le côté zen. Oui, c'est plutôt construction. Oui, j'ai réussi à vendre mes planches, ouais. Pas à porter mes planches. Il y a un côté plus contemplatif, au-delà de l'ennui. Moi, j'aime bien quand il y a le risque de perdre son véhicule à tout moment ou un truc. Ah bah regarde, Isuel joue à Euro Truck. Oui, c'est vrai. Le risque, il est à tout moment. Tu peux rouler sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est quand même pas ma faute, quoi. Très bien, et ben merci Sebum. On va passer à ce qu'on a appris du Xbox Partner Preview Event qui était il y a quel nom ? Mais quel nom ? Oui, ils sont très forts en nom. L'actu est brûlante. C'est le nom le plus adroit qu'ils aient trouvé depuis les Xbox Series, je crois. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un sale historique de le dommage. Département non, chez Microsoft. Il y avait un event de Xbox il y a une heure à peu près que Agbu vous a streamé. Et du coup, on a glané quelques infos pour pouvoir être au cœur de l'actu dans cette émission et pouvoir vous le dire. Alors, l'une des infos qu'on a eues, c'est qu'on a eu la date de sortie de Frostpunk 2. Ce sera, si j'arrive à me relire, le 25 juillet. J'écris très mal, excusez-moi. Le 25 juillet pour Frostpunk 2, du coup, on savait qu'il sortirait cette année, mais on savait pas exactement quand. Et c'est malin de sortir un jeu tout froid en été quand il fera 40 degrés. Et mais là, il y a du pétrole et tout. Ouais, c'est vachement bien. Il y a du pétrole, oui. Voilà, donc il fait chaud. Ah, c'est vrai que c'est un jeu où il faut se réchauffer. Tout le jeu, c'est se réchauffer, donc pas vous. C'est un peu en thème, quoi. Et surtout, on a appris que il allait y avoir une nouvelle exclu PS5 qui allait sortir sur PC. Ah oui, bien sûr, tout à fait. On a bien bossé ces transitions. C'est un lancement. Là. C'est intéressant que t'en parles. Bah oui, Ghost of Tsushima, qui était donc un super, un chouette jeu. Enfin, je l'ai pas fini moi perso, mais qui a l'air d'être un chouette jeu. C'est trop chiant. Non, c'était bien. Juste, j'étais pas chargé du test. Oui. Comme ça. Qui est sorti en 2021 et qui est un jeu d'un Assassin's Creed chez les samouraïs, pour résumer grossièrement, et qui était très très beau, en tout cas, ne serait-ce que pour son univers. Il y avait un côté très Kurosawa, il y a même un mode Kurosawa qui peut se jouer en noir et blanc. Et moi de toute façon je suis plutôt contente de manière générale quand un jeu qui a l'air bien s'ouvre au public PC, et là c'est le cas, c'est très très cool. Il y aura le Director's Cut, ça a l'air très bien, j'arrive pas à me relire moi actuellement. je voulais rappeler le fait qu'on puisse quand même écrire des haïkus dans le jeu, et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai noté d'autres trucs moi qui sont peut-être pas dans ton conducteur, mais que j'ai relevé pendant la conf. Bien sûr. Est-ce le moment opportun pour les glisser? Allez, c'est parti. Mais attends, on n'a pas dit la date pour Ghost of Tsushima, c'est le 16 mai. Oui. Voilà, c'est tout. Et moi, qu'est-ce que j'avais? Juste, on a appris qu'Alan Wake 2 allait pouvoir tourner sur des configurations plus modestes, ce qui est cool. Enfin, encore une fois, je suis hyper contente qu'un jeu aussi bon, vous allez y jouer. En fait, ce que tu veux, c'est partager ton bonheur. Mais c'est vraiment ça. Avec le plus de gens possible. Quand t'aimes vraiment un jeu et que t'as envie que le monde entier le découvre, moi, c'est un peu ce que je ressens pour Alan Wake 2. Donc, j'ai noté ça. Et il y a aussi, on a eu un peu de gameplay de Still Wake the Deep, qui est un jeu de The Chinese Room, qui avait fait notamment Amnesia, Machine for Peace. De l'horreur. Oui, et Dear Esther. T'as réussi. Mais attends, c'est un jeu d'horreur sur une plateforme pétrolière. Et bon. Ah, c'est une très bonne idée de contexte, là. Bah, c'est ça. Et rien que pour ça, moi, ça me donne envie. En tout cas, les images que j'en ai vues continuent de me donner envie. The Chinese Room, qui est sur le nouveau jeu Vampires The Masquerade Bloodlines. Quand est-ce qu'il s'arrête? Quand est-ce qu'il faut un bon jeu, surtout? Sebum, t'avais vu aussi un truc sur The Sinking City. Oui, 2 qui a été annoncé. 2 Le 2, ouais, parce que c'est Frogware qui fait ça, qui a déjà fait le premier. Ils ont eu une grosse bataille de droits, d'ailleurs, pour récupérer les droits de leur jeu, qu'ils ont récupéré il n'y a pas très longtemps. Là. Et donc, ils ont annoncé qu'en 2025, donc on a le temps de voir venir, il y aurait un Sinking City 2. Donc on ne sait pas encore grand-chose. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont dit que ce serait un jeu de pure survie. Alors le premier, c'était un mélange, ils sont surtout connus pour les Sherlock Holmes, oui. Et là, c'était un jeu qui avait une dimension d'exploration libre dans une ville, mais aussi une dimension enquête, notamment pour la quête principale. Et moi, je trouvais que ça marchait pas mal, le mélange un peu des deux. Et là, ils ont dit non, Frogware va se réinventer. Ce qui veut dire, je pense qu'ils veulent faire oublier le côté, c'est le studio de Sherlock Holmes, tu vois. Ouais. Et donc, ils vont complètement virer cette partie-là. Okay. Et à la place, ce sera vraiment un pur jeu de survie. Donc, ça passera dans la ville d'Arkane. Donc, qui est vraiment pur Lovecraft. Pour son asile. Oui, pour son asile et pour ses incroyables gaufres aussi. On y mange de très bonnes gaufres, c'est pareil. Donc ça va être. J'attends de voir. Je sais pas si c'est un très bon choix comme ça. On n'a pas de date encore. 2025. Ouais. Donc ça laisse le temps de revenir. Mais je sais pas si c'est un bon choix d'enlever un peu ce qu'ils avaient la particularité du jeu. Bah oui, le truc intéressant. Mais après, le jeu, le premier était bon, la partie exploration était bien aussi, donc on verra. Ils doivent savoir un peu ce qu'ils font quand même. Voilà. C'est ce qu'on espère. Les studios de jeux vidéo savent toujours ce qu'ils font. On sait que c'est quand on est allé dans ces projets qu'on sait le mieux ce qu'on fait. C'est vrai. Hélène, tu avais sorti tous tes factoïdes sur cette conf. Ah bon? Ouais, c'est bon. J'ai tout.
Voilà pour la conf, et j'avais noté quelques petits trucs à vous dire à la fin, bah, notamment qu'il y a le DLC de Crusader Kings 3 Legend of the Dead qui est sorti avec un succès mitigé, donc c'est le fameux DLC où ils rajoutent l'événement, enfin les pandémies du Moyen-Âge, donc notamment la peste noire. Ah, c'est joyeux. Qui vient te ruiner ton économie et ta cour tous les ans, je sais pas. Oh, c'est visuel. Le visuel est génial. et aussi les légendes, alors qui sont des trucs que tu peux payer pour faire, genre par exemple si t'es en Angleterre tu peux promouvoir la légende du roi Arthur, ça te donne du prestige machin, mais apparemment j'ai parlé avec quelques joueurs qui me disaient que c'était pas forcément très bien intégré, et notamment que Paradox a encore fait ce truc qu'ils font beaucoup avec les DLC de Crusader Kings 3, c'est que ça rajoute des mécaniques mais que c'est des mécaniques qui sont un peu isolées et pas forcément bien intégrées dans le reste, ouais, ça, après il y a tellement de trucs déjà. Je trouve cette image incroyable de voir il parle avec un fond un peu bleu à côté, il y a écrit Black Death avec une carte de l'Europe, c'est mon second prénom. Sur le Royaume-Uni, il y a marqué Black Death aussi. Bah oui, mais ouais, de manière un peu plus word art, tu sais. Oui, non, voilà, c'est vrai. Nous, on a un vieux truc, tu vois. Voilà, je demande à la cancel, tu vois. Et eux, c'est vraiment. C'est un peu guiré. Voilà, et aussi dans les autres news, c'est que Helldivers 2 est sorti il y a 3 semaines et c'est toujours aussi bien. Et voilà, et ça, c'est une news. Non, et surtout, ils ont. Je vais finir par me mettre ça aussi. Il va falloir. Bah oui. J'ai hyper envie. C'est un peu horreur quand c'est dur. Oh là là, on est stressé. Et n'importe quel jeu peut être dur si on y joue mal. Moi, c'est ma technique pour qu'il y ait des jeux d'horreur. C'est mon astuce. Comme ça, tous les jeux sont des jeux d'horreur. Non, mais la vraie actu sur le jeu, c'est que ils ont sorti là aujourd'hui le premier patch depuis 3 semaines qui résout du coup pas mal de problèmes, notamment d'équilibrage qu'il y avait. Est-ce que ça facilite les combats contre les robots ? Parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire les combats contre les robots sont durs, c'est dommage, sinon le jeu est bien. Non, parce que ils ont buffé le lance-flamme, mais du coup contre les robots, c'est pas le plus efficace, c'est plus contre les insectoïdes. Et puis il y avait une arme qui dominait vraiment le jeu, qui était le Raigun, et là ils l'ont un petit peu nerfé, ce qui était normal et bienvenu. Alors évidemment, ils connaissent qu'ils vont recevoir des menaces de mort. Ils se prennent déjà un énorme backlash, donc vraiment ça fait plaisir. Le jeu vidéo super, mais en tout cas voilà, le jeu a réglé ce problème-là, et aussi les problèmes de serveur d'ailleurs. Si vous aviez entendu parler du fait qu'il y avait des files d'attente pour rentrer dans les serveurs. Ils ont fait un chèque de 1 million de dollars à Amazon pour récupérer des serveurs en pagaille. Sans doute. Voilà pour les petites news de l'actu, des infos du jeu vidéo. Et on va passer tout de suite à un petit... quiz ! Oui ! Oui ! Pardon, je vais rester sur le bas-côté. Hein. Allez, cadeau ! Wow, c'est génial. Les quiz visuels, c'est toujours un moment d'anthologie. Oui. Alors, on est sur du quiz kit cette fois. Donc, vous allez pouvoir répondre en direct. Faut cliquer sur le truc qui vous passez la souris sur l'écran. Ils connaissent. Vous rentrez votre nom d'utilisateur comme ça. Si vous gagnez, on peut vous dire bravo. Voilà, vous acceptez d'envoyer vos données en Chine. Les adaptations de films. Et oui, parce que juste après la pause, on parlera de Dune Awakening, qui est une adaptation du film, notamment de Villeneuve. Et du coup, faisons un petit quiz sur les adaptations de films. Allez, voilà. Est-ce qu'on est prêt, monsieur Jean? C'est l'adaptation de films en jeu, donc, dans ce sens-là. Alors voilà, c'est les adaptations de films en jeu vidéo. D'accord. Exactement. Parce qu'il y a les deux. Par exemple, première question. Combien de jeux utilisant l'univers d'Alien existent-ils? Oh là là, énormément, mais alors je sais pas le compte, quoi. Alors, est-ce que c'est 9, 19, 49 ou 89? Moi j'irais vers le haut, donc 49 ou 89. Parce qu'après il y a eu tous les jeux obscurs, il y a les exemples évidents qu'on a en tête, Alien Isolation, Fireteam Elite, ce genre de trucs, mais il y a aussi... Il y avait tous les Alien trilogies sur Super NES. Le tout premier Survival Horror, qui est un vieux truc, où le Xenomorph prenait la forme d'une arrobase. Il y avait en tout, il y a eu 4 Alien versus Predator. Mais je dirais 49 quand même, 89 ça me paraît énorme. Oui, j'ai compté les Alien versus Predator d'ailleurs. C'est vrai que t'as compté les 4. Allez, moi je compte les 19. Moi 49. Il n'y en a pas 9 en tout cas, c'est sûr. Non. Ouais. C'était 49. Ah putain, la vache. 49, voilà. Maine-et-Loire représente. Waouh, c'est. Tu connais. Et le 19, c'est quoi? Ah là là. Non, mais parce que je viens du Maine-et-Loire. Je ne connais que le 49. Tu le dis, elle est vachement balèze, son département. Waouh. C'est un skill. 49, quand on était à l'école, on pensait que ça allait être un énorme skill de connaître les numéros des départements. Mais oui, tu te souviens? Et en fait, énorme scam. L'époque où on a. Pareil, j'ai jamais rejoué à la balle aux prisonniers depuis. Hein. Oui, c'est un truc qui m'est arrivé. On va devenir excellent. Et après, voilà, 49 adaptations pour combien de bons jeux? Oui, j'ai pas compté seulement les bons jeux, hein, malheureusement. Mais Alien vs Predator, il y en a eu, je sais pas, peut-être 20 en tout. Il y en a eu énormément. Comme ça, il y a les 3 de Rébellion. Et mais il y en a eu plein dans les années 80, en fait. D'accord, ouais. Ok. 80-90, donc ouais, vraiment. Ah oui, il y a eu les Alien Trilogy, il y a au moins deux jeux qui s'appellent Alien Trilogy.
Mais en fait, dans les 49, là, oui, il y a 30 jeux qui sont sortis après le premier Alien sur Amiga. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est... très bien. Deuxième question. Ce que vous allez voir à l'écran, est-ce une capture d'écran de l'adaptation de Le Seigneur des Anneaux 1, de Eragon, de Romain Desbois, Prince des Voleurs, ou de Les Chroniques de Narnia? Attends. Et ouais. Avec le photoréalisme, moi, je sais plus. Hein, c'est photoréaliste, on peut le dire. Qu'est-ce que c'est, chum? Alors, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu un jeu Eragon. Les Chroniques de Narnia. Moi, je dirais. Attends, c'est quoi l'autre Seigneur des Anneaux, machin? Oui. Je dirais Seigneur des Anneaux. Ouais, moi aussi. Parce que dans toutes les options. Je sais pas, il y a un truc dans les arcs et la lumière. Alors. Mais peut-être parce que c'est devenu un cliché du fantastique. Non, mais il y avait un petit piège. Tu as raison, c'est même. Il y a un truc. Mais c'est Eragon. Ah, ça a été adapté en 2006. Et oui. D'accord. Mais quoi, c'est par la boîte, le studio Stormfront, qui fera le jeu Seigneur des Anneaux, les deux tours. D'accord. Ok. Donc ça ressemblait quand même. Oui, la jaquette du jeu qui reprend le poster du film. Un grand. C'est bien de voir que les gens sont plantés de façon très homogène. Oui, alors là, oui, franchement. Ah, je me souviens juste du bouquin, moi, je me souvenais même pas qu'il y avait un film. Mais déjà, je me souviens du bouquin. Mais parce qu'il avait été écrit par quelqu'un de. Je me souviens ni du bouquin, ni du film, moi. C'était quoi ce truc? Je me disais, mais qu'est-ce que j'attends pour publier mes fanfictions? Truc vraiment classique, un jeune. Un jeune qui découvre qu'il est l'élu. Ah oui, tu dis, c'est un standard, quoi. Voilà. Mais ça date de quand? Mais c'est par un Nepo Baby, du coup. De quoi? C'est par un Nepo Baby. Ah, c'est un Nepo Baby. Non, je sais pas. C'est facile d'écrire quand même. Bah, 17 ans à être publié avec une telle. Oh, écoute, à 17 ans, Crichton avait une colonne dans le New York Times. Qui ça? Radiguet, c'était un Nepo Baby. Peut-être, bon. On ne sait pas. Crichton aussi? Non, mais quand il avait 14 ans, il écrivait pour. Alors, le New York Times, il me semble, il avait une colonne, quoi. 14 ans, voilà. Mais c'est peut-être un Nepo Baby aussi, Crichton. Probablement. Crichton, après, il écrivait. Qui n'est pas un Nepo Baby. C'était cool ce qu'il faisait. Donc, oui, je suis d'accord. Ça va. Eh bien, félicitations à ceux qui ont trouvé, et malheur aux autres. Voilà, j'ai décidé de upper la carotte et le bâton. Troisième question. Lequel de ces films n'a pas été adapté en jeu vidéo? Est-ce que c'est Top Gun, Highlander, Reservoir Dogs ou Mars Attacks? Elle n'a pas eu de jeu vidéo. Ah, c'est dur. Je dirais Reservoir Dogs, moi. Ouais. Attends, jeu vidéo Reservoir Dogs, tu fais quoi? Enfin. Alors, un jeu vidéo Highlander. T'as un chien dans un réservoir? On voit à peu près. On voit complet Top Gun. Ouais. Top Gun, c'est sûr qu'il y en a eu un. Reservoir Dogs. Mars Attacks, il me semble qu'il y en a eu un, mais je suis pas sûr à 100%. Je dirais Reservoir Dogs aussi. Ou Mars Attacks, mais je dirais Reservoir Dogs. Eh bien, c'était Mars Attacks. C'est pas vrai? Et oui. Donc, il y a un jeu Reservoir Dogs. Bah, je suis curieux de voir. Bah, la jaquette est là, c'est un jeu Eidos. Okay. Après, les captures, honnêtement, je ne les ai pas. Et c'est quoi comme genre de jeu? Bah ouais, on torture un mec. Probablement un jeu d'action en TPS. Ouais, c'est pas un City Builder. Ouais, mais Ok, bah tu sais quoi, je suis curieux. Curieux d'y jouer. Ouais, moi aussi. Moi pas. Vraiment. Mars Attacks. Top Gun, vous savez combien il y a eu de jeux Top Gun? Moins qu'Alien, mais beaucoup quand même. Ouais. Et oui, c'est exactement ça, c'est 13 jeux. Ah ouais, j'aurais dit moins. 13 jeux Top Gun. Ah, mais Mars Attacks, pour le coup, ça ferait un jeu vidéo intéressant, je pense. Ben, tu sais ce qui ferait encore plus un jeu vidéo intéressant? Dinosaur Attack. Parce que, en fait, Mars Attack, c'est des cartes qui étaient livrées dans du Bubblegum Tops dans les années 50, il me semble. Oui, c'est ça. Et en même temps, il y avait Dinosaur Attack, où c'était vraiment des dinosaures qui débarquaient à la suite d'une faille temporelle et qui débarquaient sur Terre et qui bouffaient des gens. Et il était question que Tim Burton l'adapte. Parce qu'il est un peu à court d'idées, ce temps-ci, donc ça pourrait être bien qu'il se mette à faire ça toute sa carrière. Mais bon, vu qu'il y avait Jurassic Park dans les tuyaux, c'était pas le moment opportun. Mais on trouve un peu de la fibre Dinosaur Attack, le côté un peu burlesque, dans une scène de Jurassic Park, quand Gennaro se fait manger dans les toilettes. D'accord. Mais bref, tout ça pour dire que Dinosaur Attack, très chouette, vraiment, c'est hyper bien comme Tim Burton, le seul bon film qu'il a fait, il est crédité à tort dessus, non? C'est pas ça? Monsieur Jack, oui, qu'il a pas réalisé. Bah oui, c'est Henry Selick, ouais. Il a fait d'autres films. Il a fait d'autres films. Qu'est-ce qu'il a fait de Big Fish, c'est pas mal. Sleepy Hollow, c'est pas mal. Sleepy Hollow, c'est pas mal. Batman 1, on va dire. Le deuxième Batman est pas mal. L'étrange duel de Monsieur Jack, bon, c'est pas lui, c'est mais il a quand même pas travaillé dessus. Non, c'est court-métrage, Jean-Vincent. Beetlejuice. Oui, Beetlejuice, c'est vachement bien. Jean-Vincent, surtout. Ouais. Enfin, bon, bref. Bon, il a fait pas mal de bons films, en fait. Ouais, ok, bon. On était mauvaise langue. Mais c'était il y a longtemps. Ouais, voilà. Eh bien, puisqu'on parle de cinéma, lequel de ces jeux connaît-on comme l'un des favoris de Steven Spielberg? Est-ce que c'est... J'adore cette photo. Est-ce que c'est Her Story, Jurassic World Evolution, Team Fortress 2 ou Call of Duty 4 Modern Warfare? Ah, mais je le vois tellement jouer à TF2, moi. Bah, en vrai, c'est juste que Jurassic World... Tu vois jouer à Her Story ou pas? Oui, aussi, complètement. Enfin, je vois tous les cinéastes jouer à des jeux de Sam Barlow, parce que clairement, oui... Mais c'est ce que j'ai en train de me dire aussi. Ils aiment être flattés, les cinéastes, et se dire « Oh, le jeu vidéo s'inspire de ce que je fais ». Je dirais Her Story aussi. Moi, je vais faire le jeu de l'audace, je vais dire TF2 parce que ça me fait trop... Non, ou peut-être Call of. Ouais, les Call of.
C'était Colin. Oh bravo, là là, je voulais pas croire qu'il pouvait s'abaisser à ça. Oui, j'ai mis Her Story vraiment. C'est comme John Carpenter. Les cinéastes n'ont pas de goût en jeu vidéo. John Carpenter adore Fallout 76. Le problème de John Carpenter, c'est que souvent, il a pas de goût en matière de film non plus. Quoi. Hein? Le problème de Carpenter, c'est que souvent, il a pas de goût en matière de film non plus. Oh, bah, Carpenter, il a fait quelques chefs-d'œuvre, mais il a aussi fait des très mauvais films. Ah là là. Ça fait très bien. On peut pas se lancer sur un débat. C'est honteux ce que vous venez d'entendre. Et tes narines qui ont fait. Bah oui, mes narines se sont écartées et dilatées parce que tu peux pas dire ça. D'accord. C'est un peu Ridley Scott en fait. Il a fait quelques bons films. C'est un peu ça. C'est un mec qui a un écart-type énorme. Tu lances un de ses films, ça peut être ou un chef-d'œuvre ou une bouse, et t'as jamais de certitude. Mais on peut pas dire ça d'un mec qui a fait The Thing, The Fog, Assassin's Creed 13, Halloween. C'est beaucoup trop de bons films pour dire « Oh, il fait de la merde ». Mais par contre, en jeu vidéo, ses goûts sont tout à fait discutables et je suis un peu sceptique. Il se lance dans le jeu vidéo, là. Il va présenter un jeu vidéo. Je ne sais pas quel sera son rôle exact, mais... C'est pas lui qui disait « Moi, je veux juste encaisser des chèques jusqu'à la fin de ma vie ». C'est possible. On a tous dit ça autour de cette table. Bien sûr. Moi, jamais. Non, mais j'aime bien... John Carpenter a quand même ce truc très rafraîchissant. Par exemple, à Halloween 2, il ne voulait pas le faire. Il a dit « Je me suis bourré à la Bud Light et j'ai inventé n'importe quoi ». Il est très sympathique. Je parle vraiment de Lootput. Ah, mais du coup, moi, je pensais sincèrement qu'il était animé par une vraie volonté de faire quelque chose dans le jeu vidéo et finalement non. Bon. Ah, je sais pas, je crois que si, je crois qu'il avait dit qu'il voulait faire qu'il aimerait bien faire des vidéos. Ah oui, OK, il est pas là juste pour encaisser le truc alors. Bon. Alors pour ses licences, si, il avait dit que sûrement qu'il était prêt à licencier ses trucs, mais par contre, il veut faire un jeu, je crois. Ça suffit. Ça c'est cool. Oui. Le pardon. Eh, c'est que le chef ici. Ah bah oui. C'est ton émission, ton choix. Le timing. De quel jeu est tirée cette capture d'écran? Ah bah Ah bah merci monsieur chat. Ce serait pas de Dirty Harry par hasard? Pas sûr. Attention. Moi, c'est Gran Torino. Je pense qu'il faut cliquer sur Die Hard. Non, c'est peut-être moi qui me suis gouré dans le nommage de l'image. Non, mais j'aime bien ce genre de quiz. Monsieur Chat est un saboteur. Non, mais on peut faire Jeopardy. On aurait dû deviner la question à partir de la réponse. Non, c'est moi qui me suis gouré ou c'est toi? Non, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Ok, ok. C'est pas grave, c'est fait une question comme ça, gratos. De toute façon, les deux suivantes sont très dures. Donc ça compense. C'est là qu'on a le jingle applaudi. Ah, génial. Ils ont très bien fait les sourcils de Clint Eastwood. Voilà, c'était... Et est-ce que vous auriez trouvé? Ah non, absolument pas. Enfin, c'était quoi les propositions? Je sais pas ce que... Ah, c'est ça? Bah, ah non, j'aurais jamais trouvé. C'est Die Hard, Men in Black, l'inspecteur Harry, Sister Act. Sister Act, non. Die Hard, non, parce qu'il est clairement pieds nus pendant tout le long avec un Marcel. Ça fait pas du tout une anatomie chauve dans Die Hard. Oui, aussi, ouais. Ça fait pas d'anatomie. Non, mais là, on dirait qu'il a une pomme de terre au-dessus de la tête, donc du coup, tu sais pas trop si c'est un duril qui. Ah oui, non, c'est cheveux. Par élimination, j'aurais dit peut-être, mais après, c'est facile après coup, quoi. Je pense que je l'aurais eu par élimination aussi. Bon, très bien, très bien. Mais je vais pas jouer. C'était la question gratos. C'est pas grave, on va enchaîner avec une très dure. Ok. Sauf si Charles, la vieille... Alors écoutez bien, en 2012 sort Battleship, qui est le film adapté de la bataille navale, ok? Oui. Ouais. Bon, c'est déjà... Déjà le concept. Voilà, exactement. Et lui-même, ce film est adapté en deux jeux vidéo cette année-là. Deux jeux vidéo très différents. Et je vous demande les genres de ces jeux vidéo. Est-ce que c'est un jeu de sport et un RPG, un FPS et un jeu de réflexion, un walking simulator et un 4X, ou un STR et un cover shooter? Walking Simulator et 4X. Enfin, remarque, trop chiant de marcher. Parce que 4X, c'est le premier truc qui te vient à l'esprit quand même. C'est. Alors, c'est ou FPS ou STR, mais entre ces deux-là. C'est les. Donc, c'est les jeux adaptés du film adapté de la bataille navale. Quelle année le film? 2012. Je dirais un FPS, un jeu de réflexion, mais sous l'heure le STR, c'est l'un de ces deux, de toute façon. Au passage, je déteste les affiches qui mettent pas le bon nom de l'acteur au-dessus de l'acteur. Oui. Et alors, je trouve que le mec a Rihanna au-dessus de lui, il va être très content. Ça, c'est super. Et il y a un des Skarsgård, on en parlait avec Monsieur Chat en l'émission. Alexander, ah oui, je l'aime bien, lui. Donc, je dirais FPS, jeu de réflexion. Mais en fait, bien, c'était STR et cover shooter. Un FPS et un jeu de réflexion. C'est ça? Ouais, ok. Ouais. En fait, il y a eu un mauvais FPS, hein, clairement. Et un genre de, pour le dire très vite, un genre de Into the Breach, mais pas bien. Ok. Ouais. Mais donc, c'était quand même assez audacieux. Le film était adapté de la bataille navale? Ouais. Ouais, c'est. Je crois que ça a été commandé genre par Hasbro, tu vois. Mais ils ont vraiment réussi à adapter le gameplay?
Il y a des gens qui tirent au hasard sur des quais. Mais alors, je l'ai vu il y a des années, j'ai complètement oublié, mais je crois que c'est vraiment un truc. Alors, c'est fait vraiment en partenariat avec la marine américaine. Hein. Mm. Ça se passe que dans en fait, il y a des aliens qui arrivent et genre, ils brouillent les moyens de communication. Ah, mais oui. Et du coup, ils sont dans le porte-avions, ils sont là, bah, ok, il faut tirer dans cette case-là, les aliens doivent être là. Ce qui est pas mal en soi. C'est génial. Oui, c'est rigolo. Ouais, c'est une bonne idée. Mais ça donnait un film complètement oubliable, j'ai l'impression. Complètement oubliable, je te confirme. Et la dernière question, non, en vrai, elle est très facile, la dernière question, mais c'est pour le plaisir de quand date le jeu vidéo Die Hard dans cette image? Ah non, elle est pas si facile que ça, en fait. De quand date ce jeu Die Hard? Est-ce que c'est 88, 92, 97 ou 2002? Non, là-bas, je voulais demander quel était le film, mais bon... Moi, je dirais... Oui, bah oui, Les photos, c'est facile. Oui. Moi, j'aurais dit 2000 ou fin des années 90. Moi, j'irais 97, ouais. Mais c'est daté au polygone, quoi. Bah, ouais, c'est dur à dater, je trouve, la 3D de cette époque-là. Ah non, il y a des gros polygones, il y a des... On voit le début d'une sorte de flou 3DFX ou PlayStation, machin, là. J'irais 97, ouais. Ça peut être 2002, mais je dirais 97. Eh bien, c'était 2002. 2002, d'accord. Ah, j'ai surestimé les capacités. C'est affiche. C'est vrai que quand beau, les jaquettes. Deus Ex qui est sorti en 2000 et qui était très bloqué, lui. Oui, c'est vrai. Non, puis surtout, les textures étaient un peu trop détaillées pour 97. Ouais. Est-ce qu'on peut revoir, monsieur Chat, cette belle image? Bah oui, qui est quand même une des plus grandes scènes du film. Ouais. Et alors, je vous conseille de regarder des images de ce jeu Die Hard sur le YouTube. C'est assez marrant. Hein. Ils ont remodélisé un peu tous les persos du film, mais version 3D très coupée à la serre. J'aimerais bien voir la gueule d'Hans Gruber, ouais. Et bien, je crois que c'est ce personnage-là, ils ont pas osé le faire. Et ah il ouais. est que de dos. Oh bah non, trop nul. C'est bizarre. Ouais, c'est chelou. Bah, en hommage à Alan Rickman. Oh. Oui, c'est combien d'adaptations en jeu vidéo, Die Hard? 8. Je sais pas, ouais, dans ces eaux-là. Attends, tu comptes tous les films ou juste le premier? Le premier. Ah, le premier, bah 4. Je sais pas, 4 ou 5, quoi. 4. Eh bah, bravo, oui, oh là là. Hey. C'est pas pour rien que t'es rédactrice en chef. Hein. Évidemment, pour mes fun facts sur Die Hard. Bah, juste pour ça. Et passion cinéma, quand même. Passion cinéma chicha, ouais. Bravo à... Oula, waouh, j'arrive pas du tout à lire. J'ai vraiment besoin de lunettes. Non, mais moi aussi je galère, ouais. Oedipe, t'arrives à lire, toi, Attends, mais là c'est tout petit. Hein. Lolarism, ouais. À Catel69, à Dark, j'arrive pas à lire. Dark Waffle, je pense. Eh, mais y a que des pseudos. Et Plumage Time. Oui, c'est vrai, ça a bien marché. Ah ouais, bah félicitations. Julie, c'est bien pour voir que tu n'as pas lu le pseudo d'Oedipe en entier. Je censure l'émission en direct. Oui. Juste scandalisé. Avant de partir en pause, on va se faire une petite présentation du magazine. Par sa rédactrice en chef, parce que j'ai la crème, la pauvre. C'est ma partie préférée de chaque émission, c'est celle où je parle de notre taf. Elle est belle, c'est vraiment jeté sous le bus. En soi, donc c'est notre numéro de mars, il est flamboyant, chatoyant, regardez-moi cette belle couverture faite par Toto, c'est super beau. Parce que Canard PC, c'est surtout un magazine. Canard PC est un magazine qui sort tous les mois en kiosque, mais qui est aussi disponible sur un site web. Et ce mois-ci, on parle de plein de choses intéressantes. On parle notamment de l'Indiana Jones à venir de Bethesda, Sebum parle des vieux jeux Indiana Jones qui n'ont pas toujours été très heureux. On a demandé à notre avocat la légalité de ce que fait Indiana Jones. Est-ce oui. que taper Est-ce des qu'on nazis, taper c'est des vraiment nazis. Légal Isval nous parle d'Eldivers 2, Kokobé nous parle de Palworld, Rudyard Clipping nous parle de Like a Dragon Infinite Wealth, moi je vous parle de DayZ au cinéma, et Akbou vous parle d'Enshrouded. Et tout ça est à découvrir soit sur le site, soit dans notre magazine. Tu le fais tellement bien, ce serait gâché que moi je le fasse. Cette présentation. Merci beaucoup, Hélène. Et on va faire la pause et on revient après pour parler du jeu Dune. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Dune. Rien que ça. Oui. Rien que Dune, ça. Dune, il suffit. Dune est oui, on devrait le faire entièrement avec des gros bruits derrière. Ouais, je crois que ça avait coupé, moi, en fait. Pas du non, coup, mais ça coupera jamais. C'est la pause.
c'est Dune dont on va parler maintenant avec Ellen Ripley et Louis Ferdinand Sebum, féru de cinéma s'il en est. C'est pour ça qu'on va parler de Dune. de jeux vidéo Dune en plus, donc vraiment, il n'y a aucun rapport. Ce qui a été montré, donc, alors. Peut-être, non, vous savez, non, vous savez pas. Alors, je reprends. Dune. Si tu veux tout reprendre, il n'y en a pas grave. Alors, Dune. Allez, 1900, le Lord de Dune. Tout commence dans la tête de Franck Herbert. Non, mais on savait depuis 2020. Après, une énorme prise de cocaïne. 2022 que Funcom était en train de développer un genre de MMO de survie Dune. Alors, comme Conan Exiles, qui est aussi un jeu de Funcom Oslo, le même studio. Et là, ce qui a été montré, c'est enfin des images du jeu. À l'occasion, évidemment, de la sortie du deuxième film de Villeneuve. Et donc, on a vu quelques minutes de gameplay et aussi une petite, je sais pas, 6 minutes de coulisses où ils disent ah, on est très contents, on nous a emmené visiter les décors du film pour qu'on puisse refaire un peu les mêmes choses dans le jeu. En gros, ils ont traîné au milieu du désert. Ils ont largué dans ça. Allez, allez, fais les décors. Non, mais je dois avouer que quand j'ai vu le nom fleurir dans le conducteur, j'étais pas spécialement excitée. J'ai cliqué, j'ai vu les images, je me suis dit waouh, ça a l'air vraiment cool. Bon, là on voit des images qui donnent pas spécialement envie, mais cette espèce de vert des sables qui surgit, enfin ça m'a donné vraiment envie. Puis j'ai vu s'afficher en lettres de feu la mention MMO et là je me suis dit non. Oui, alors c'est tout le problème, on va en parler, mais juste du coup pour parler un peu de ce qu'on a vu. Donc c'est clairement un jeu de survie en fait où on démarre de zéro dans le désert d'Arrakis, on récolte des minéraux avec un petit pistolet et on construit une petite base à l'ombre des rochers. Alors c'est un peu à la Rust quoi, où on va construire un mur puis le toit un peu de façon libre, etc. Et ensuite on voit le héros qui part en mobylette pour attaquer des bases de méchants. Il y a de l'infiltration, de l'escalade, de la magie, des ornithoptères, de l'esquive, des vers des sables, des fusillades, enfin voilà, ça a l'air assez complet. Et du coup sur cette base, toi t'étais partante Hélène? Alors j'aurais été partante si elle était un jeu solo d'action aventure, mais ouais. MMO malheureusement encore une fois, j'y touche pas, c'est comme DCS, parce que c'est faute de temps. Quoi. C'est le genre de truc dans lequel je peux écouler des heures et des heures. Mais là, l'univers de Dune est super bien, on est tous d'accord à cette table, je pense. Mais vraiment, ouais, version MMO, ça va être compliqué. Bah, on va en parler. Et là, c'est même moi, j'ai eu à peu près le même cheminement de pensée. C'est-à-dire que j'ai vu Dune et j'ai vu les images, j'ai fait c'est incroyable, c'est une super bonne idée. Après, j'ai vu MMO, j'ai fait ah merde, ça va être MMO. Et après, j'ai vu Funcom. Et je me suis dit, quand même, de tous les gens à qui on peut confier un MMO, oui, c'est vrai. C'est pas les pires. Ils ont fait Conan Exile et surtout, ils ont fait Funcom Oslo, Secret World. Oui. Qui est peut-être le seul MMO qui était. Alors, du coup, des MMO jouables en solo. Oui, c'est déjà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de MMO que l'on peut jouer en solo. Mais là, il y avait vraiment un côté. Enfin, c'était presque une sorte de jeu d'aventure. Avec, ils savent faire des MMO qui sont intéressants et qui sont pas juste des trucs ramène-moi 50 pots de sanglier et grindé pendant des heures. Donc, si j'ai envie de dire, dans la mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Oui, puis si je peux nuancer un peu le côté MMO, alors eux ils disent MMO pour aller vite, puis aussi parce que je pense que commercialement ça fait bien de dire MMO, mais en vrai, les jeux à la Conan Exiles, certes c'est massivement multijoueur, mais c'est pas genre tu vas pas te retrouver avec 30 autres joueurs dans le désert en train de courir. Ouais. C'est plus que t'es dans ton coin du désert à toi, tu crées ta petite base, et puis alors. Selon des paramètres qui sont à définir, parce que peut-être que tu pourras décider qu'en fait tu ouvres pas ta partie aux autres et du coup tu restes tout seul tout le temps, tu vois. Mais a priori, tu vas pouvoir rester tranquille et croiser de temps en temps d'autres joueurs, mais si tu vas dans des coins un peu publics, tu vois, des bases de marchands ou je sais pas quoi. Et sinon, t'es un peu tranquille à faire ta base avec un espèce de twist un peu à la Rust où d'autres joueurs peuvent a priori attaquer ta base, percer un trou dans le mur et récupérer tes ressources. Ok, j'ai à nouveau pas envie d'y jouer. Voilà. Non, mais alors, c'est ça, ma petite base quoi. C'est ça. Je supporte pas les jeux où je construis un truc mais et je vois les bulles taper. Si l'immensité de la carte permet différents types de gameplay où on peut retrouver. Jamais tu peux être sûr de jamais croiser un autre joueur, c'est un bon MMO. Ce qui va un petit peu à l'inverse du principe quoi. Non, mais je pense à Red Dead Online où ils avaient justement, c'était un très bon MMO solo où tu pouvais dire bah non, mais en fait moi je veux voir que mes potes. Et de toute façon, ils avaient tellement pas rempli les maps que. Toutes les maps c'était des instances avec genre 5 joueurs dedans, tu pouvais désactiver le PVP, enfin voilà, donc t'étais tranquille. Donc là ce sera peut-être la même chose, on ne sait pas, mais c'est vrai que sinon moi je suis comme vous, un MMO de toute façon en 2024 ça me fait pas forcément vibrer. Moi j'aimerais bien savoir ce qui les a motivés à dire ok, on va qu'il y ait une adaptation de Dune vu le méga blockbuster que ça a été, donc c'est pas étonnant
qu'ils choisissent de faire un MMO. Bah exactement. C'est intriguant. C'est ce que j'ai vous demander justement. Ça vous paraît pertinent de faire ce genre de jeu-là pour adapter Dune? Pertinent, j'en sais rien, mais c'est étonnant en tout cas. Bah. Ok. Pertinent, ça l'est. Après, on n'est pas le public, mais pertinent, ça l'est. Enfin, je vois tout à fait l'attrait que ça peut avoir sur les joueurs. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Je sais pas. Enfin, déjà, je sais pas trop à qui s'adressent les films Dune. Je dis pas que c'est au sens où c'est des mauvais films ou quoi que ce soit, hein, mais est-ce que ça s'adresse à des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, des gens qui ont lu les bouquins, des gens qui n'ont pas connu Star Wars, donc pour qui c'est, enfin, les vrais, donc qui vont se dire « Ah, c'est tout nouveau ce truc-là », alors qu'en fait c'est un truc qui a été pompé par toute la SF des années 70-80. Donc, je sais pas. C'est, le jeu que j'aimerais bien voir, moi, c'est un jeu inspiré du Dune de Jodorowsky. Mais j'allais le dire, le Dune de Jodorowsky avec... Tu dis Jodorowsky, toi? Ouais, je dis Jodorowsky, je l'appelle Jodo. Personne. Non, mais parce que c'est vrai que c'était complètement fou. Enfin, on aurait eu des vaisseaux imaginés par Chris Foss, on aurait eu Amandalir, on aurait eu Dali, ça aurait été n'importe quoi, et c'est pas pour rien qu'il a jamais été produit. Mais ça, ce serait complètement fou. Par contre, de reprendre toute l'équipe, en plus, qui a fini sur Alien, et qui s'est trouvée dans ce projet avorté, ouais, je pense qu'il y avait le grain de folie... Et en plus, autant c'était irréalisable bien traduit projet. En jeu. En film, parce que le budget aurait été dimensionnel, autant en jeu vidéo, ça serait faisable. Ouais. Parce qu'il n'y aurait pas nécessité de faire les décors incroyables. Enfin, c'est beaucoup moins cher que de les faire en vrai, comme ils voulaient les faire à l'époque et tout. Donc, ça serait un jeu. Bon, si ça parlera à personne. Mais... On nous dit, Coupe qui nous dit, le documentaire sur le Dune de Jodorowsky est dispo sur la chaîne YouTube d'Arte, justement. Mais alors, il est très bien. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu, c'est incroyable. Mais ceci dit, tu disais à qui s'adresse un jeu Dune? Alors, un jeu adapté du Dune de Jodorowsky, du coup. Jodorowsky, je dis. Yodo. Bah franchement, il y a quatre personnes quoi, toi, moi et puis deux autres personnes dans le chat. On peut rappeler 20 secondes de contexte pour les gens qui ont pas la ref. Donc Jodorowsky était en train de il devait adapter Dune. Ouais, justement, avant qu'il y ait l'adaptation de Lynch. Lui dit que Jodorowsky devienne il devait travailler dessus officielle. Et puis disons qu'il avait quand même une vision, bah oui, complètement folle et démesurée, mais qui aurait donné quelque chose de réellement parce qu'il est complètement fou et ça aurait été vraiment génial. Il aurait fait vraiment un truc complètement perché. Et mais ce qui est marrant, c'est que c'est un bouquin, enfin, tous les storyboards, tout ça, ont été pillés par tout Hollywood à l'époque. Et ça a influencé, c'est un film qui n'est jamais sorti, mais qui est probablement de tous les films qui ont jamais existé, celui qui a eu le plus d'influence. Ça a influencé Alien. Sans lui, il n'y aurait pas eu Alien. Pas eu Star Wars. On n'aurait pas eu Alien comme il ça. Aurait, c'est incroyable comme il a influencé. Bah, il a bossé avec Mobius, avec Giger. Mobius, évidemment. Moi, je me demande aussi. 14 heures, hein. Je me demande aussi à quel point le fait que Dune, notamment le 1 et le 2, ce soit des blockbusters, à quel point ça pouvait influer sur nos attentes justement d'un jeu. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut attendre d'un jeu qui est adapté d'un film aussi colossal où il y a autant d'enjeux commerciaux aussi derrière? Je ne sais pas. C'était dans le conducteur, hein. Non, mais c'était complètement dans le conducteur. C'est juste que moi, j'ai été assez indifférente par rapport au premier film, donc forcément, mes attentes se traduisent par rapport à ce que j'ai pensé devant le film. Je sais que Dune a été plutôt apprécié. Moi, malheureusement, je suis pas du tout rentrée dedans, alors que j'adore Denis Villeneuve. J'ai aucun souci avec les basses. C'est pas son meilleur film. Ça, c'est clair. Non, c'est clairement pas son meilleur film parce que c'est Prisoners. On pourrait en débattre longtemps. Plus tard, dans l'émission cinéma. Il y avait un truc qui me sortait. Je sais pas. Si c'est parce qu'à chaque fois que je voyais Timothée Chalamet et Zendaya, j'ai l'impression d'être dans une pub Chanel. Enfin, ça me sortait complètement du. Il y a des moments impressionnants dans ce film, mais en tout cas, voilà, il m'a pas particulièrement marqué. Et donc, du coup, ça fait que j'ai très peu d'attentes par rapport à un jeu Dune. Bah, au-delà du côté blockbuster, moi surtout pour en faire un MMO, tu vois, il y avait Dune Spice Wars là, qui était sorti. Oui. Qui lui, ils en ont fait une sorte de 4X /RTS. Et je trouvais que, quoi qu'on pense du jeu, que c'était un bon choix. Parce qu'il y a vraiment les questions. Alors, c'est vrai que c'est un film qui est très politique, Dune. Le livre aussi, pareil, c'est très très politique. Et du coup, on fait un truc qui est de lutte de faction, diplomatie, compte à rendre à une échelle supérieure, en plus, entre tes magouilles de pouvoir avec d'autres familles. Ça s'y prêtait bien. Là, tu vas faire quoi? Tu vas te promener dans le désert, fabriquer des trucs, crafter des machins. J'ai peur que ça vite ennuyeux. En plus, c'est pas un univers qui est parti. C'est Tatooine à l'infini, quoi. Ouais. C'est ça, Arrakis, quoi. Et donc, du coup, ce n'est pas un univers qui est particulièrement. Je sais pas. C'est vrai qu'ils vont peut-être avoir un souci. Et même de. Enfin, ok, bon, les luttes de pouvoir entre les différentes familles, mais je sais pas, c'est. Une fois que t'as des Harkonnen méchants et des. Je vois pas trop, c'est vite, ton avis, fait le tour, en fait, pour ce genre de jeu. Moi, j'aurais plus vu, un jeu solo linéaire, enfin, franchement. Ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent comme. Tu sais, ces jeux qui sont des remakes de vieux jeux. Où t'as la version moderne, ils avaient fait ça pour Diablo 2, etc. T'appuies sur un bouton, ça te met la version pixelisée. Ah oui. Et là, c'est la version Denis Villeneuve. T'appuies sur un bouton, t'as la version de Lynch. Et ça serait génial. D'un coup, t'as Sting en slip. Ça serait bien. Ça serait fou. Ça serait super. Mais
Ouais. Après, en termes de décor, bah, tu vois, Conan Exiles, c'est pareil, c'est pas forcément très varié en termes de décor, hein, l'univers de Conan. Mm. Donc, je sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser. Ouais. Moi, je me demandais aussi, du coup, si on peut élargir peut-être la question. J'avais une hypothèse, mais bon, qui sort, voilà, qui sort de ton chapeau. De mon chapeau, voilà, si j'allais dire autre chose. est-ce que les films donnent pas de bons jeux? Quand c'est leur univers qui est adapté, et pas quand c'est le film en lui-même qui est, qui est adapté. Par exemple, Alien Isolation, ça adapte l'univers d'Alien à un nouveau truc. C'est ça, mais ça reste quand même ultra fidèle à l'esprit du tout premier film. Mais c'est pas une adaptation au sens strict d'Alien. Après, voilà, ça adapte pas le scénario du film. Non, c'est ça. En jeu, quoi. Et c'est la meilleure, enfin pour moi, la meilleure itération d'Alien en jeu vidéo. Et oui, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et je pense même vice versa que les films adaptés de jeux vidéo qui sont bons, c'est ceux qui reprennent l'univers et l'essence d'une franchise ou d'un jeu, et pas forcément le scénario au sens strict, parce que ça n'a pas été pensé pour ce média-là, tout simplement. J'en veux pour preuve le Silent Hill de Christophe Gantz, en fait, qui certes reprend un peu la ligne directrice des Silent Hill, genre bon bah voilà, un mec reçoit une lettre et va dans une ville tout embrumée, mais finalement Silent Hill, c'est pas Silent Hill 1 ou Silent Hill 2, c'est un petit peu un mélange de plusieurs Silent Hill, où on retrouve vraiment le sentiment de malaise, le côté oppressant et le scénario en soi, on s'en moque un peu, quoi. Mais donc ça, même dans l'autre sens, en fait, même dans les films, oui, bah c'est sûr que de toute façon, c'est les films qui adaptent le scénario d'un jeu vidéo, bon. Il y a très peu de jeux qui ont un scénario suffisamment intéressant. Oui, franchement, il y en a qui s'y sont risqués. Bah, enfin, le film Assassin's Creed. Et puis en plus, bah, je pense que même passes... Max Payne, Hitman. C'est vrai que c'est des films pour le coup qui pourraient avoir. Max Payne pourrait être un excellent film. C'est pour être des scénarios de films, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, ouais, bon bah après, il y a des choix malheureux qu'il y a eu aussi dans Max Payne, notamment le choix de l'acteur. Mais je suis persuadé que Max Payne pourrait être un excellent film s'il se bornait pas autant après, à reproduire l'esprit jeu vidéo. Ils essayent trop de montrer c'est adapté d'un jeu vidéo en reprenant les codes du jeu vidéo. Mais c'est compliqué, ça, faut le faire ou trop ou pas assez, en fait. Oui. Et si jamais tu transposes vraiment n'importe quel jeu ou Max Payne en thriller, etc., bah t'as un truc qui est finalement, tu perds ce qui fait l'intérêt du jeu, en fait, qui va être la dimension gameplay, les mécaniques et tout. Et si jamais tu vas à l'extrême en essayant d'en faire de transposer vraiment ce qui fait un jeu dans le film, à la limite, le truc qui s'en est un peu rapproché, c'est la séquence en FPS dans le film Doom, tu vois. Et ça l'a pas sauvé parce que c'était réalisé avec le cul et qu'il y a rien qui tenait dans ce film. Oui. Mais le principe, c'est que, enfin, tu dis, il y a moyen, là, il faudrait quasiment faire tout très expérimental, quoi. C'est-à-dire, si t'arrives à transposer ce qui fait l'intérêt d'un jeu dans un film, ça donne Avalon de Hoshi ou des trucs comme ça, tu vois, c'est des trucs très très bizarres. Ouais. Et comment est-ce que t'en fais Mais par contre, pour répondre à ta question, je pense que c'est tout à fait vrai, que, parce qu'on est départi dans l'autre sens, là. Mais qu'en effet, les adaptations de films, de films en jeu qui reprennent l'univers et pas le film lui-même, sont généralement bien bien meilleurs, mais je pense qu'il y a un biais à ça, simplement. C'est-à-dire que les jeux, enfin les films qui ont été adaptés avec une reprise de l'univers dans le jeu, c'est des films qui étaient déjà suffisamment connus, avec un lore suffisamment grand, pour qu'on dise, ok, on va faire des gros budgets, on va faire, pour les exemples typiques, c'est les trucs genre Star Wars, c'est les trucs avec Indiana Jones, là on va voir ça avec Dune, etc., Alien, c'est un très bon exemple aussi, des trucs qui étaient assez gros et assez riches pour qu'on puisse dire ok, on va vraiment faire des jeux là-dedans. Alors qu'à l'inverse, les jeux qui sont des transpositions du film en jeu, généralement c'était des produits dérivés, en fait. Donc ils étaient ça. Médiocres, pas uniquement parce qu'on transposait les scénarios, mais juste que c'était des trucs à petit budget qui étaient faits pour faire du fric et sans beaucoup de soins, quoi. Oui, c'est ça, on se posait pas les jeux océan, la question de ce que ça va donner un jeu intéressant. Les jeux océans qui étaient des. En gros, chaque blockbuster avait son jeu océan qui était un truc tout pourri. Après, il y a toujours des contre-exemples, on nous a dit dans le chat The Last of Us qui a été très bien adapté, en suivant le scénario pour le coup en série. Oui, complètement, mais justement, moi, je le trouvais intéressant dans ses pas de côté par rapport à la série. Par exemple, l'épisode sur Frank, sur Bill et Frank. Enfin, je le trouvais intéressant parce qu'effectivement, ça montrait qu'ils avaient saisi ce qui avait fait l'intérêt, une grande partie de l'intérêt du jeu, mais tout en y ajoutant des choses. Après, oui, c'est sûr, t'as des dialogues repris verbatim, mais t'avais quelque chose à en tirer en tant que joueur. Ouais. C'est pas toujours le cas, quoi. Puis même, moi, j'avais noté GoldenEye aussi. Oh là là, parce que c'était bien. Nightfire. Oh là là, mais j'aimerais tellement, vraiment. C'est dans celui-là, je confonds pas, où tu pouvais être dans la roquette, enfin tirer une roquette à cette chercheuse et après tu contrôlais la roquette. Ah bah, il me semble que c'est ça, parce que j'ai des souvenirs émus d'avoir été une roquette. Dans quoi ? Ça, dans Unreal Tournament. Alors, non, moi je parle. Je crois que GoldenEye l'a fait en premier. Je sais pas si c'est GoldenEye ou. Je confonds peut-être avec un autre.
Et puis, on est tous... Enfin, pardon, je parle à votre place, mais moi, en tout cas, je suis ultra enthousiaste, et je pense que toi aussi, du James Bond par IO Interactive. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah c'est parce que t'imagines pas meilleur studio pour adapter ça. Fin... Oui, mais parce que, justement, on se dit pas « Ah, j'espère qu'ils vont reprendre le scénario de tel film James Bond. » Ça corrobore la thèse de Sebum, qui avec laquelle je suis entièrement d'accord. Bravo, monsieur Sebum. Mais parce que, ouais, enfin, Hitman, de toute façon, était déjà une adaptation de James Bond, quelque part. Ouais. Oui, c'est sûr. Quelque part, il y a peut-être sur James Bond. Canard PC. La boucle est bouclée. Voilà, et oui, bah pour les films adaptés de jeux vidéo, on en a parlé. Moi, j'avais noté encore pas mal d'exemples. Hein, par exemple, dans les jeux qui adaptent l'univers des films, bah, il y avait John Wick X. Ah oui, c'est bien, il était très bien. Voilà. Bah là, justement, ils ont su prendre... Celui-là, c'est un cas intéressant, le côté expérimental. Ils ont vraiment su prendre ce qui fait la particularité de John Wick et qui en fait des films vraiment intéressants. C'est le côté quasiment, c'est même pas le scénario, c'est le côté en pure chorégraphie en fait, de l'action. Et là, ils ont su transposer ça dans un gameplay. Et là, je trouve que c'est rare d'avoir un jeu qui comprend le film ou vice versa. Exactement. Et là, ils ont vraiment su transposer l'image au gameplay et c'est bien. Qui s'est pas juste dit comment on va pouvoir rendre le film image par image, mais l'esprit en fait. L'esprit, oui, c'est ça. Et surtout en transposant de façon très différente. Hein. D'un côté, il y a quelque chose qui relève de la chorégraphie qui est très cinématographique et de l'autre, quelque chose qui relève du timing qui est très gameplayique, on va dire. Oui, c'est ça. Le fait de faire les deux, c'est très malin. Et non, bah, je pense aussi à l'exemple. Bon, bah, on parle de Ghost of Tsushima tout à l'heure. Il y a des jeux comme Trek to Yomi qui reprennent vraiment l'esprit. Bah, par exemple, c'est pas une adaptation stricte d'un film de Kurosawa, mais tu retrouves vraiment quelque chose de similaire dans l'univers. Et c'est. Ouais, non, moi j'aime. Très bonne théorie. Ouais, il y avait aussi le Je vais sortir un livre prochainement. Mais oui, il serait temps. Le monde ouvert Mad Max, Robocop Rock City peut-être. Ouais. Ah bah oui aussi. Ouais. Les jeux Lego, souvent qui reprennent les univers. Mais alors Lego, c'est encore particulier parce qu'ils prennent encore. C'est une surcouche en fait. Les films Lego, c'est pareil d'ailleurs. C'est-à-dire que Lego, c'est quasiment devenu une sorte de méta-univers toute la pop culture. Oui, je vais. Ah, pardon, j'allais en remettre une couche sur Jurassic Park. Parce qu'il y a quand même le Survival Jurassic Park qui va arriver. Je prie vraiment, je croise les doigts pour qu'il soit bien. Mais parce que moi, ça a toujours été mon rêve. Une adaptation Jurassic Park un peu horrifique. Où t'aurais, bah, effectivement, ça n'aurait aucun sens de reprendre le premier Jurassic Park et de faire. Ça donnerait un jeu qui a sans queue ni tête. Mais quelque chose qui reprendrait juste l'esprit de la scène des raptors dans la cuisine en jeu. Je signe direct. Une cuisine sans fin de 800 mètres carrés. Non, les raptors partout. Mais où tu trouves à hauteur d'enfant, un peu dans un truc à la Little Nightmare, dans un parc à dinosaures. Quoi. Alors, il y a Tonton Yo qui nous dit fun fact, Matt Damon a refusé de participer à l'adaptation de Jason Bourne parce qu'il aurait voulu que ce soit un Myst-like plutôt qu'un jeu d'action. Oula, ah ouais, on n'a pas pu vérifier cette information, mais, mais c'est un fun fact, effectivement. Oui, Alien Isolation avec des raptors, tout à fait. Un mode Dune pour Crusader Kings, bah ça, ce serait super bien, parce que comme disait Sebum, c'est vraiment un jeu de stratégie, en fait. Oui, oui. Dune. D'ailleurs, le jeu de plateau Dune, qui est vraiment, bah, la tagline, ça doit être genre stratégie, diplomatie, sable. Et sable. Il fait un énorme carton, et justement, parce que ce côté stratégie de l'univers de Dune est intéressant, quoi. Après, j'ai un contre-exemple. Il y a un film, je pense, qui ferait une très bonne adaptation en jeu vidéo, mais parce qu'il s'inspire lui-même du jeu vidéo et que c'est pas un film à la base, mais un manga, c'est Edge of Tomorrow. J'étais sûr que t'allais dire ça. C'est un manga. De toute façon, c'est tellement. Edge of Tomorrow, ça fera un excellent. Mais après, Edge of Tomorrow, s'il sortirait dans le jeu, on dirait, en fait, c'est un gameplay assez classique de jeu vidéo, parce que c'est du Die and Retry. Bah oui, voilà, exactement. Mais c'est vrai que peut-être que ce qui était cool dans Edge of Tomorrow, c'était que c'était un film en fait, et pas, un jeu justement. Mais c'était un film qui justement s'inspirait intelligemment des choses du jeu vidéo. Mais oui, et j'ai rematé 28 jours, 28 semaines plus tard, etc. Et je trouve qu'il y a un côté très jeu vidéo en fait dans ces films qui pourrait être intéressant aussi. Ah oui, oui. Si c'était adapté. Oui, bon, mais après, est-ce qu'on a encore besoin de jeux d'infectés? Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai autre chose à vous proposer, Le Vieux Fusil. Adapté par IO Interactive. Ah oui. Ça, ce serait vraiment pas mal. La nuit du chasseur. La nuit du chasseur pourrait faire une excellente Alien Isolation. Ah, j'adorerais. Jeux interdits. Notez ces idées, développeurs. Parce que vraiment, là, c'est. Vu qu'ils en sont à faire Killer Clowns, ils peuvent revenir sur des licences encore plus anciennes. Bah ouais, je suis d'accord. M le maudit, tu vois. Je souhaite que Killer Clowns marche juste pour que des gens se disent, eh, peut-être que cette idée un peu folle que j'ai eue en tête pourrait se vendre. D'ailleurs, ça doit être dans le domaine public aussi, tous ces vieux films-là, l'expressionnisme allemand. La nuit du chasseur, non. C'est trop récent. Par contre, Metropolis, peut-être. Il est mort quand, Fritz Lang? Alors, je n'ai pas la date de la mort de Fritz Lang en tête. C'était évident que Julie le savait. Mais je ne sais pas s'il est dans le domaine public. Ce serait cool d'avoir des jeux. Non, je pense pas. 70, ça fait long. Ouais, ça fait long. En tout cas, voilà, c'était ce qu'on avait à dire sur Dune, hein, puisque là, on vient de parler que de Dune pendant 20 minutes. On va enchaîner en parlant des sorties du moment. Tu
jingle. Un nouveau le jingle. Nouveau, le nouveau jingle. Ah, il est bien. Monsieur drop les jingles comme ça. Oui, oui, ça, tu t'appelles le jingle, il est déjà fini. Oui, mais surtout, c'est un nouveau jingle. Mais je sais, il est beau d'ailleurs. Incroyable. puisque en ce, le 1er mars, alors on est le combien là? On est le 6 mars. 6 mars. Donc le 1er. C'était il y a déjà 5 jours. Oh là là, que le temps file. Et est sorti The Brew Barons. The Brew Barons. Un jeu de pilotage arcade et de gestion de contrebande, tout guiré. Vous allez voir à l'écran, il y a une inspiration Ghibli qui est très subtile. Arriverez-vous à reconnaître. Pardon. J'ai spoilé. T'as dit Porco Rosso, oui, bah oui, complètement. Oui, j'en avais parlé dans le mag, hein, c'est clairement, clairement Porco Rosso version trafic en alcool. Mais il n'y a pas de cochon. Mais il n'y a pas de cochon, c'est un peu des humains. Ça, bah, c'est, ouais, c'est une faute. Ouais, ouais. Non, ouais, mais c'est ça, il y en a bien, ils jouent à Nuclear Option, mais c'est pas mieux ça. Visuellement, ça donne très envie. Ouais, ça donne très envie. Même le concept est cool. Hein, donc, c'est à la fois, on dirige un avion, alors de façon très arcade, ça va pas plaire à Sebum. pour à la fois se battre contre des pirates et récolter des ingrédients en tirant dans des arbres. Donc tu survoles la côte italienne et tu tires sur des arbres et il y a des petits fruits qui en sortent comme ça. Bon, ça... Oui, j'ai pas compris. Oh, voilà. J'ai vu des images, je n'ai pas compris le lien entre les deux aspects du gameplay. Et ben voilà, tu récoltes des ressources pour faire de la liqueur, de l'alcool, que après, j'imagine tu vas faire des pilotages, du pilotage pour vendre, aller vendre ta. Mais ça n'a aucun sens, c'est deux jeux en un en fait. Oui, bah c'est ça qu'on aime. qu'est-ce que j'ai noté ? On dirait un truc du Make Something Horrible, tu sais. Vous allez prendre deux concepts de jeu et les mettre dans le même jeu. Et puis évidemment, il y a de la progression permanente, on s'agrandit petit à petit, on améliore l'avion, etc. Apparemment, c'est assez cool, hein. J'ai été voir les avis Steam, sont assez positifs. Juste pour certains, c'est vraiment... très 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 arcade apparemment le pilotage, voire trop du coup pour c'est vrai certains. Que moi quand je vois un jeu dans lequel on doit ramasser du raisin pour aller fabriquer de l'alcool de contrebande à partir d'un biplan, j'ai envie que la simulation soit ultra réaliste. Attends, me dis pas que si je t'avais dit ça se joue comme un DCS, tu n'aurais pas eu envie d'y jouer. T'aurais pas été un peu intrigué, ouais. Bah, là j'aurais presque l'impression qu'il y avait trois jeux en un en fait. Ouais, ça serait devenu vraiment très bizarre. Ça devient vraiment Pimp My Ride, quoi. Mais... on a appris que t'aimais les concepts dans tes jeux, donc on a un concept dans ton concept. Mais... c'est un simulateur de vol super artiste, mais... super précis. DCS avec les graphismes des Ghibli, ouais, franchement je serais chaud. Mais en fait tu mets l'esthétique Ghibli sur n'importe quel type de jeu. Je joue au MMO Dune, il n'y a pas de souci. Oui, oui, c'est clair. Bah ça s'appelle Sable. Oui, c'est vrai. Donc Sebum, toi, vu que tu as refusé de jouer à ce jeu parce que c'était trop arcade. Toi, mais non, pas du tout, j'ai dit, j'avais pas compris le gameplay. J'avais compris les deux aspects, comment ils se rejoignaient. Tu vas nous parler de The Thaumaturge. Là aussi, c'est plusieurs jeux en un, d'ailleurs. C'est plusieurs jeux en un, ouais. C'est à la base, c'est un jeu de rôle à l'isométrique. Oui, oui. Bon, là, avec un homme à la barbe très fourni. Là, l'isométrique n'est pas flagrant. Tu es très jaloux. Enfin, c'est bon, en fait, je vais t'avouer que ce n'est pas tant le gameplay qui m'attire. C'est un jeu de rôle assez classique, finalement, en fonctionnement. C'est l'univers. Le fait que ça se passe, le mec, on dirait Rasputin, quoi. Ouais. Ça se passe à Varsovie au début du XXe siècle. Et donc, c'est vraiment du côté très, très magie noire, mais dans un univers finalement assez, assez réaliste et assez récent. Et je trouvais ça vraiment très très intéressant d'avoir ce côté vraiment, voilà, ben on le voit là, hein. Avec, donc, on joue un thaumaturge, donc il y a une sorte de mage qui donc, fait des miracles, d'où son nom, mais qui a aussi un côté un peu maudit, parce que finalement, comme dans tous ces trucs de magie très noire, tout pouvoir se paye. Ouais, et je trouvais ça vraiment très intéressant comme univers, parce que c'est un truc qui m'a toujours dérangé dans la magie, dans les jeux vidéo en général. Bon là, je sais pas si ce sera encore le cas, mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de chercher un peu dans cette direction-là, en tout cas au niveau de l'esthétique. C'est que, je me rappelle, j'avais lu il y a très longtemps un bouquin de supplément de jeu de règles pour un jeu de rôle sur la magie. Ouais. Et en ouverture, le mec disait, il y a un très gros défaut dans la magie, dans les jeux vidéo, jeux de rôle, c'est qu'elle est toujours présentée en fait comme une sorte de technologie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des règles concrètes, pratiques, que tu appliques et qui n'ont pas du tout de dimension mystérieuse ou incertaine. Et finalement, c'est les boules de feu, mais ça serait un canon à plasma, ce serait pareil. Quoi. Ouais, oui. Et c'est le cas dans la plupart des jeux vidéo et même dans les jeux de rôle. Et là, je trouve intéressant qu'ils ont l'air d'avoir une approche de ce que j'ai vu, de la magie qui est vraiment très... enfin, lancer un sort, c'est pas anodin, quoi. Ouais, ça peut coûter cher, c'est un truc qu'on peut le payer ou de sa santé mentale ou de... Et je trouve ça vraiment intéressant. Par exemple, voilà, tu vois, il a des faiblesses qui sont acquises au fur et à mesure qu'il jette des sorts. Et même simplement le visuellement,
Je trouve que c'est chouette d'avoir ce côté début de siècle comme ça. Le design même des monstres et tout, ça avait l'air assez cool. Après, ouais. Tu disais le gameplay assez classique, mais de mémoire, les combats se font avec des cartes. Ouais, en plus. Bon, ça c'est. Aucun jeu n'est parfait. Personne n'est parfait. Oui, ça, je t'avoue, c'est depuis qu'ils ont annoncé ce jeu, c'est la partie qui me pose un peu question, c'est de me dire ça, ce qu'on voit à l'écran, 3D isométrique, oui. Ouais. Me battre avec des cartes. Surtout que la partie écriture, elle a vachement travaillé au niveau des personnages. Ah ouais, ça a l'air assez bien foutu quand même. Ouais. Okay. Je pense que ça va te plaire. Oui, en tout cas, je crois qu'il a des bonnes critiques pour l'instant. Hein. Après, c'est vrai que c'est le studio qui avait sorti Seven en 2017, qui était un espèce de jeu un peu inclassable en vue du dessus avec du cel shading, et c'était pas très bien. Je l'avais défoncé dans Canard PC, je crois. Donc, je suis méfiant. Voilà. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, c'est sorti le 4 mars. Et ce qui est sorti le lendemain, c'est Expeditions Mudrunner Game, qui est, je vous fais pas un dessin, vroom vroom le gros capteur. Oh oui, j'aimerais bien faire un dessin de vroom vroom. Ah, mais moi, je dessine très mal. Hein. Mais c'est pas grave. Vas-y. C'est l'intention qui compte. Non, mais ça va être super mignon. Pendant ce temps-là, j'en profite pour meubler. Le test d'Expeditions sera disponible vendredi sur le site et vous aurez l'avis visuel. Qui, ça, c'est mon... en plus de très bien dessiner les camions. Ah ouais, il est bien, ce camion. Très bien. Non, il est très nul. En fait, tu vois pourquoi tu as écrit un test, tu aurais dû faire ça en fait. Sur deux pages, et voilà. Bah, camion. Voilà. Bah, tout de suite, ça fait vroom vroom. Oui. T'as fait un petit personnage devant. Oui, on le voit. Il est tout petit par rapport au camion. C'est peut-être le volant. C'est un énorme. Ah oui, c'est peut-être le volant. Non, c'est le volant. Ah oui, d'accord. Ah, t'as confondu un personnage et un volant. Mais parce que j'étais de loin. On savait que c'était un volant. N'importe quoi. Bon, je suis hyper déçu. Mais en tout cas, je vais me résoudre à utiliser la parole pour décrire ce jeu. c'est vroom vroom le gros camtar et zap zap l'équipement scientifique, voilà, tout simplement. Je vais pas en parler beaucoup en fait, puisque mon test sort du coup, comme tu l'as dit, très bientôt sur le site de Canard PC. On sait quand ou pas, non? Oui, c'est vendredi, ouais. Ah, vendredi. Ouais, c'est une semaine très vroom vroom, hein, parce que demain Pacific Drive, après-demain Thematic Editions. Ouais. Il y a bien eu un jeu d'avion aussi. On est tellement branché sport mécanique ici. C'est clair. Ouais, notre... Vous nous verriez faire des donuts sur les parkings après les émissions. C'est clair. J'en parle pas beaucoup. Donc c'est le nouveau jeu Spin Tires Medrunner qui échange le transport de marchandises pour des missions scientifiques dans des terrains difficiles, et c'est très joli, mais attendez le test. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Winter Survival aussi, qui est sorti aujourd'hui, qui sort ce soir en fait, voilà, donc on n'a pas pu y jouer. C'est sorti à 19h je pense. C'est un jeu de survie hivernale. Mais il n'y en a pas déjà 30 000 des jeux de survie hivernaux? Il y en a 1000. Si, moi j'ai envie de jeux de survie en été. Oui, mais là ça fait longtemps qu'il n'y en a pas un qui est sorti. The Forest, c'est en été. Si tu veux un peu de soleil, oui. Cannibal. Non, mais ça, je suis pas très fan de la neige en général, mais là, on peut se dire pourquoi pas. C'est un. Quand est-ce qu'Akbou va avoir le temps de jouer à tous ces jeux? Oui, c'est vrai, hein, ce que je me dis. C'est un jeu de survie assez classique, mais avec un parti pris plutôt réaliste, hardcore, avec des guillemets. Ah oui, pour ouvrir la bouche des loups pour leur mettre une pastille. C'est comme les chats quand ils veulent pas prendre leurs médicaments. Et il y a notamment, ça, je sais que ça va vous plaire, il y a notamment un système de santé mentale. Oui, moi j'adore la santé mentale. Ma grande passion. Voilà. Les systèmes de santé mentaux surtout. Mais du coup, attends, qui est relié à quoi en fait? Parce que c'est vrai que souvent tu vois ça dans les jeux à l'amnésia, des trucs où t'es quand même face à des créatures. Je sais pas, je crois que au fur et à mesure qu'il se passe des trucs pas ouf dans ta partie, tu acquiers des malus. C'est ça, mais c'est terrible parce que t'as aucun moyen de t'en sortir quoi. Il devrait faire un jeu de la santé mentale, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu démarres à zéro, et plus t'arrives des trucs cool, plus t'es là, ouais, je suis vachement bien quand même. Ma vie elle est bien. Est super. Après, mais tu fais une phase hypomaniaque où tu vois tout en super couleur. Tu trouves des antidépresseurs dans la neige après. Oui, c'est ça, où il y a peut-être un petit peu un soleil d'hiver qui va se mettre à poindre, une créature particulièrement mignonne et pas un loup hostile. Après, moi, j'y avais joué lors du dernier Steam Neo Fest à la démo, et c'est vrai que c'était assez prometteur, mais il y avait encore besoin de pas mal de taf, hein, notamment de finition, il y avait pas mal de bugs et tout. Donc, j'espère que le taf a été fait, mais c'était il y a pas si longtemps que ça, donc moi je vous conseille aussi de... Pas fiché pour le titre en tout cas. Ouais. Oui. Ne l'achetez pas à l'aveugle en tout cas, ça c'est mon conseil. Et surtout moi j'ai aussi un peu peur que ce soit le jeu parfait pour 2015 en fait, mais maintenant on est en 2024 et on a déjà joué à des jeux comme ça, on en a déjà vu sortir plein. J'ai du mal à voir ce qui fait sa singularité en tout cas, là forcément. Peut-être justement le fait qu'il y en a, comme il n'y en a pas tant qui sont sortis récemment, il a ce côté moderne, tu vois. Mais est-ce qu'on a encore envie de ça? Ouais.
Voilà. J'ai ma réponse. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais de quoi on a envie, et ça c'est sûr, c'est d'un jeu qui sort le 8 mars, Hélène. Oui, tout à fait. Tu vas nous présenter. Tout à fait, c'est un petit jeu qui s'appelle Summer House. J'espère qu'on a des images qui vont permettre de remplacer... regardez-moi ça. C'est mignon. C'est mignon. Pas la même ambiance. C'est pas du tout la même ambiance. On est vraiment sur un petit jeu de poche. Oui, c'est pas non plus la même ambition. C'est un jeu qui est développé par un dev solo qui répond au doux nom de Friedman. Donc c'est un tout petit jeu de construction, en fait. On va vraiment... Il n'y a pas d'objectif. T'as vraiment de name dropper le dev là ? Bah ouais. Pardon de mettre l'humain au centre d'une industrie parfois inhumaine. Non mais en gros ce qu'il explique c'est que c'est un jeu où il y aura pas vraiment d'objectif, juste c'est vraiment une ode à la créativité, à la liberté, où on va faire des petits quartiers de maisons. Alors j'aime bien parce qu'il précise des maisons habitées. Il s'est dit oui, je suis pas un bâtard qui fait construire des maisons secondaires. Le pixel art est ultra mignon. Ça me donne vraiment envie et j'aime bien en fait l'idée d'un jeu qui revendique son côté pas d'objectif, juste de la relaxation. Il a Euro Truck Simulator. Oui, non mais je vais finir par y toucher, je le sens. T'as jamais joué ? Non, jamais. Bah ouais, il faudrait. Mais il y a une petite phrase qui m'a vraiment marqué dans la description Steam, c'est qu'il décrit son jeu comme une lettre d'amour au sentiment d'une après-midi d'été perdue depuis longtemps. Et ça tout de suite, ça m'a parlé. Et vous aussi, non mais voilà. Oui, et au-delà de l'esthétique ultra mignonne, le fait que ce soit un jeu de chill, qui a l'air très sympa, C'est très bien. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit ah bah oui, donc on est bien en 2015, mais en fait non, pas du tout. C'est un genre assez récent, ça. C'est ce qu'ils appellent maintenant, je crois, les nature builders, donc ils sont vraiment l'idée de jeux de construction très très simple avec juste un clic en fait limite des fois et où t'as pas vraiment d'objectif et qui sont des jeux qui sont tous inspirés de Townscaper qui était le jeu où tu construis une espèce de cité portuaire scandinave là dans l'eau. Oui. C'était bien, j'ai pas mal streamé et qui était super bien. Était chouette. Et pareil, ça se jouait que avec un clic en fait. Et puis selon où tu cliquais, bah, ça faisait des choses différentes, des maisons différentes, etc. Et là, je pense que ça revient un peu au même. Et je suis très content qu'il y ait des jeux de construction un peu cosy comme ça, qui sortent sans KPI. Ouais, exactement. On a besoin de respecter. Cette détente aujourd'hui. Moi, c'est ça dont j'ai envie en 2024. C'est pas d'objectif, juste de la détente et du pixel art mignon. Et ben, à mesure que les gens vont être de plus en plus épuisés par le boulot et burnotés, on va voir à l'inverse des jeux de plus en plus mignons. Ouais, c'est juste une grosse peluche à toucher comme ça. Il n'y aura plus de gameplay, il n'y aura plus rien. Franchement, tu tiens peut-être un truc. Hein. Je crois que j'ai dillonné avec ça. Et ben, attendez le Kickstarter bientôt. En attendant, ben, je pense que ce sera le mot de la fin justement sur ce paisible jeu. C'est très mignon et les reflets sont bien faits dans l'eau. Les reflets étaient super cool. Non, mais de toute façon, le style et graphique est trop cool. Ah, oui, et les éléments, les animations, la manière de popper. Ouais, c'est ça aussi qui donne envie. Tu sais, c'est des jeux où tu plopes beaucoup. Oui, c'est vrai que le plop a un côté très satisfaisant. Voilà, tu vas plopper. On devrait appeler ça des plopping games. Des plopping, des ploppers. Des ploppers. C'est fini du coup pour cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci de vous être abonné. Merci Omodo. Merci à Monsieur Chat en régie. Merci Hélène Ripley, merci Louis Ferdinand Sebum, merci Joanne. Merci Monsieur Zuzu, merci vraiment de nous avoir régalé. Je rappelle et c'est Summer House le jeu, juste. La Summer House, oui, le jeu. Je rappelle que dans 15 jours, du coup, avant la prochaine émission Canard PC, il y aura la première émission mensuelle Hardware de Canard PC de 17h30 à 18h30. CTRL Technique. CTRL Technique. CTRL Technique. Moi, je vais dire Contrôle Technique, voilà. J'ai décidé. Co-présenté par Furolité Agbou, le duo de la bromance. Voilà, merci encore et on vous dit à la prochaine. Salut. Oui, bisous, salut. C'est mignon, hein. Ah ouais.